Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo, je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live hors série. Et oui, ce soir, et si on lisait hors série, je ne vous lirais pas d'oeuvres ce soir. Par contre, on va faire une rétrospective de toutes les lectures qu'on a pu faire ensemble sur cette saison 2021-2022. Euh, on a 8 œuvres, euh, huit œuvres à, à passer en revue ensemble. Euh, donc ça promet une petite soirée sympathique. Bonsoir à ceux qui sont là sur le live, bonsoir si vous me regardez également en rediffusion sur YouTube. Coucou secrétaire, j'espère que tu vas bien. Merci de me rejoindre. Euh, comme d'habitude, l'émission sera en rediffusion sur YouTube et vous le savez, quand je mets des rediffusions sur YouTube, je mets des timecodes. Donc si vous voulez avoir euh, uniquement une section euh, de cette émission, bah, n'hésitez pas à vous rendre dans la barre de lecture de la vidéo ou dans la description de la vidéo. Moi qui n'en ai suivi aucune, ah, c'est pas bien, secrétaire, je vais te taper sur les doigts. Non, en vrai, euh, vous faites ce que vous voulez. Et euh, justement, peut-être, peut-être que ce live sera l'occasion pour vous euh, de vous dire, ah, tiens, telle œuvre telle m'intéresse, peut-être que je vais y jeter un oeil, euh, telle œuvre m'intéresse pas du tout, euh, ou que sais-je encore. Euh, aucune prétention dans cette émission, on est vraiment là euh, pour discuter. D'ailleurs, je vais. Je vais énoncer quelques principes de précaution euh, très très bateaux. Mais, euh, mais voilà, euh, la forme que ça va prendre, c'est la forme d'une tier liste. C'est ce que je fais depuis deux ans. Ça fait deux ans que j'ai fait ça en reprenant toutes les œuvres que j'avais fait depuis 6-7 euh, ans. Ça fait autant de temps que je fais des lives. Ça doit être un truc comme ça. <laughs> enfin bon bref. Euh, et du coup. Euh, du coup, j'ai beaucoup trop chaud. Euh, du coup. Euh, oui, euh, bien entendu, le format liste euh, a pas, enfin, je trouve a, a pas grand intérêt. C'est surtout un prétexte. C'est surtout un prétexte pour qu'on discute euh, des œuvres qu'on a lu ensemble. C'est surtout un prétexte pour que euh, on parle un peu euh, euh, des œuvres avec euh, avec un, un côté bilan, un côté euh, bon, bah qu'est-ce que j'en ai retenu Est-ce que j'en ai retenu quelque chose Est-ce que au final, ça m'a laissé un bon souvenir, un mauvais souvenir pas de souvenirs ce qui pourrait être encore plus euh, plus affolant quelque part euh, en tout cas voilà avoir un petit peu ce, ce retour là peut-être éventuellement que ça vous donnera un petit guide euh, pour vous balader euh, dans mes émissions je vous rappelle que dans l'onglet playlist de ma chaîne youtube vous trouverez à chaque fois la série qui correspond en cherchant et si on lisait plus le titre de l'oeuvre par exemple euh, et si on lisait euh, les Contes de Perrault, euh, La Guerre des Mondes, d'H.G. Wells, etc. etc. Euh, sachant que... Euh, sachant que, que, que... Donc voilà, ça pourra peut-être vous servir un petit peu de guide pour savoir, dans les lectures que j'ai faites, qu'est-ce que vous voudriez écouter, ou qu'est-ce que vous voudriez lire, tout simplement, de votre côté. Euh, qu'est-ce qui serait susceptible de vous plaire ou non. On va dire que ça peut avoir ce petit intérêt-là, ça peut aussi avoir un autre intérêt pour moi qui est euh, tout simplement de, bah, de faire une sorte. Ouais, voilà, là, c'est vraiment plus le côté bilan-constat. De me dire Ah, ok, cette année, j'ai lu beaucoup de ça, j'ai lu peu de ça, euh, j'ai lu ça et j'ai pas apprécié, j'ai lu ça et j'ai bien apprécié. Donc, c'est aussi l'occasion pour moi de, de, de me faire une petite synthèse de tout ça et de me dire. Ah bah tiens, peut-être que tel genre d'œuvre, je vais continuer à m'engouffrer dedans. Peut-être que tel genre d'œuvre, on l'a vu assez sur mes lives et que ce serait bien de passer à autre chose pour quelque temps. Donc voilà, ça va être aussi une réflexion de cet Akabila, enfin ça me permet des réflexions de cet Akabila euh, de faire cette émission. Également, de recueillir éventuellement euh, vos retours. Donc euh, je ne sais pas si sur le live il y aura grand monde ce soir, d'autant que... On est en plein milieu des vacances, ça fait un gros mois que je n'ai pas fait de live, euh, et je vais certainement encore ne pas en faire pour un mois, on en parle dans quelques instants. Euh, donc forcément, euh, je pense qu'il y a peu de monde qui va passer ce soir. Euh, en tout cas, si des gens passent ce soir, euh, n'hésitez pas à me communiquer votre avis également sur les oeuvres, moi ça m'intéresse vachement. Euh, en général, je fais ma tier liste personnelle, et en parallèle la tier liste des viewers. Donc si vous avez un avis sur les oeuvres, n'hésitez pas à les communiquer. Parce que encore une fois, moi je trouve ça hyper intéressant déjà, bon d'échanger sur les œuvres, de dialoguer ensemble. Et puis moi pour savoir aussi quel cap euh, il serait intéressant entre guillemets que je prenne sur ma chaîne euh, pour les prochaines lectures, savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu, et essayer de faire le meilleur des deux mondes, on va dire. Euh, sachant que euh, pipapoupipou, sachant que du coup euh, n'hésitez pas également à me faire ce genre de retour en rediffusion sur YouTube, si, même si vous n'êtes pas là au live, n'hésitez surtout pas à me dire, ah ben moi j'ai apprécié telle œuvre, j'ai apprécié telle œuvre, j'ai trouvé dommage que euh, tu fasses euh, cette œuvre-là euh, de telle manière, ou, je, ou que sais-je encore. Bref, je prends tous les commentaires, je prends toutes les critiques tant qu'elles sont euh, euh, construites et, et bienveillantes, euh, donc euh, n'hésitez surtout pas. Euh, et du coup, secrétaire qui me dit, j'espère être convaincu par... 1984, qui est typiquement l'œuvre dont j'ai trop entendu parler. Intéressant, intéressant. Secrétaire, c'est vrai que c'est vrai que ça, ça peut jouer énormément dans l'appréciation d'une œuvre. Je pense même que c'est assez prépondérant en vérité euh, sur euh, les attentes qu'on peut en avoir. Est-ce que, est que on a été hypé Est-ce que on a été saoulé euh, d'en entendre parler, comme tu le dis euh, Ça, j'ai l'impression que vraiment les attentes. C'est tellement fort sur la manière dont tu vas livre, lire une œuvre ou même euh, consommer euh, n'importe quel type de, de produit en réalité. Euh, donc, euh, donc, ouais, c'est intéressant aussi de voir ce genre de choses et je, je comprends parfaitement ton ressenti. Euh, bonsoir, Industrias, bienvenue sur le live, merci de nous rejoindre. Euh, du coup, petit, euh, voilà, petit préambule avec des petites euh, précautions. Alors. Voilà, justement. Déjà, merci pour ton abonnement Prime Industrias, c'est très gentil. Industrias qui dit enfin plus malade. Et je ne suis pas plus malade. <laughs> on, va, on va faire une petite parenthèse, vu que tu m'offres la perche pour en parler. Petite parenthèse, euh, pourquoi il n'y a pas eu de live depuis un gros mois J'avais envie de faire des lives, même si je vous ai communiqué il y a de cela quelques temps que j'avais envie de freiner la cadence des lives, que peut-être j'avais envie d'arrêter ou de faire une pause. Il s'est trouvé que ce dernier mois, j'avais envie de faire des lives et j'avais prévu des lives, notamment de la lecture de pièces de théâtre. C'était la première fois que je voulais m'y essayer. Et j'ai été très déçu de ne pas pouvoir le faire. Euh, Puisque ça fait, je pense, au moins 4 semaines. Ouais, franchement, ça doit faire au moins ça. Ça doit faire au moins 4 semaines que je suis malade. Euh, et malade pas qu'un peu C'est-à-dire que euh, dans les 4 semaines Je pense qu'il y a eu au moins deux grosses semaines Où j'étais chaos technique C'est-à-dire qu'il y a eu deux grosses semaines Où vraiment euh, c'est limite si j'étais au lit toute la journée euh, J'ai vraiment, vraiment morflé euh, Et, euh, et j'ai eu des symptômes Qui faisaient que vraiment les lives Et notamment les lives de lecture Étaient complètement impossibles C'est pour ça que encore aujourd'hui J'ai pas repris les lives de lecture Là, ces derniers jours, ça commence à disparaître un peu plus, de plus en plus. Je sens que je suis sur la fin. Je suis vraiment plus sur la fin de la maladie que le début, heureusement. Euh, malgré tout, il m'arrive encore d'avoir des quintes de tout. Et euh, bah, pour la lecture, je trouve ça hyper désagréable. Et puis, euh, j'ai pas aussi retrouvé la, la range complète euh, de ma voix. Euh, je sais que je peux pas pousser euh, sur ma voix, je sais que je peux pas trop lui demander d'efforts. Et vous savez que j'aime bien. Sans les jouer, parce que voilà, j'ai encore une fois, j'ai pas la prétention d'être un comédien, un acteur ou que sais-je, mais sans les jouer, j'aime bien interpréter un petit peu le, le texte que je lis. J'aime bien faire des voix parfois pour certains personnages, euh, j'aime bien faire une voix de personne en colère quand, euh, quand le personnage est en colère, ou, ou, ou euh, voilà, Alors, ainsi de suite. Et là, c'est vraiment trop compliqué pour moi pour le moment. Et en fait, euh, bah, juste par souci de, de qualité presque, euh, je me dis, ça sert à rien. Je, je, si je fais des lives, j'ai envie que ce soit le plus qualitatif possible. Et là, je suis pas dans les conditions optimales pour faire des lives, notamment des lives de lecture. C'est pourquoi je me permets la petite, euh, la petite euh, subtilité, non, c'est pas tellement le mot que je cherche, la petite douille, <laughs> ben, je sais pas, de faire un live ce soir, parce que, euh, et bien, des rétrospectives, j'en fais euh, en général dans cette période de l'année. Donc je me suis dit, on va, on va essayer de perpétuer la tradition. Et puis au moins c'était un live euh, que je me sentais capable de faire, même malgré euh, ma voix diminuée et euh, mes quintes de tout. Pour le moment, j'ai pas eu de quintes de tout euh, depuis le début du live. Euh, vous voyez comment je, comment je vais mieux. Euh, bref, Eratum, j'ai suis le premier live sur Miss Dallaway. Ouais. Ah, bon bah tu pourras éventuellement nous en parler également quand, quand on arrivera sur cette œuvre. Euh, du coup... Ça c'était le côté maladie, ensuite il y a eu un autre côté, je ne vais pas m'épandre dessus à l'infini, euh, voilà. C'est un truc que tout le monde a vécu, c'est les fortes chaleurs, très très fortes chaleurs. Il euh, y a des jours où je me sentais mieux des fois, et où je me disais, ah vas-y je lance un live, je tente, et en fait je me tapais des 40 degrés dans la gueule et je pouvais rien faire. Euh, donc, euh, donc voilà, pareil, euh, toujours des conditions que je trouve non optimales à faire des lives. Et même au-delà du côté non optimal, bah, j'aurais pu... j'aurais pu... J'aurais pas pu faire de live en fait, tout simplement parce que mon PC meurt. <laughs> mon PC meurt à la chaleur, un truc de fou. C'est pour ça aussi que tous les étés c'est un peu plus difficile pour moi de faire des lives. Et là, avec les chaleurs qu'il y a eu, déjà aujourd'hui, j'ai fait exprès de pique le jour qui était un petit peu plus frais en espérant que ça tienne. Euh, J'espère que ça s'entend pas au micro. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus si c'était le cas. Mais euh, euh, mon PC souffle énormément. Euh, J'ai vraiment du mal à faire descendre la température ces jours-ci. Voilà. Pour toutes ces raisons, il euh, n'y a pas eu de live depuis un gros mois. Pour toutes ces raisons, il n'y aura pas de live encore pour quelques temps, je pense. Le temps que je sois complètement remis. Euh, le temps que les fortes chaleurs soient passées. Et aussi, euh, autre chose dont je vous ai entretenu les années précédentes. Euh, qui est que euh, tous les ans, je me coupe des réseaux, je me coupe d'Internet, etc. pour deux semaines. Et là, bah, ça, va, ça va arriver bientôt. Euh, D'habitude, euh, je fais plutôt ça en juillet. Là, cette année, il s'avère que euh, bah, je me suis organisé aussi pour euh, voir. Parce que qui dit coupure des, des réseaux, c'est aussi euh, pour voir de la famille, voir des amis, etc. Donc du coup, euh, donc, du coup voilà. Euh, tout ça fait que j'étais plutôt organisé euh, pour août. J'aurais aimé que ça coïncide avec la maladie et la chaleur comme ça. Je n'aurais pas eu un énorme gap sans aucun live. Ça s'est pas goupillé comme ça. Euh, donc du coup, je suis parti du principe que euh, voulant vraiment faire les lives dans les meilleures conditions possibles, et eh bien tant pis. Je préférais faire une grosse pause et puis vous revenir euh, dans les dans les dans les meilleures conditions. J'ai pas d'autres mots. C'est terrible. Dans les meilleures conditions. Euh, bah à peu près à la rentrée, j'imagine, à peu près début septembre, et donc on se tentera certainement cette fameuse expérience de faire, pour la première fois sur ma chaîne, une lecture de pièces de théâtre. Voili, voilou Cette fois-ci, je pense avoir fait un énorme tour. Euh, désolé, j'ai peut-être été un petit peu long, c'est peut-être pas ce que vous attendez euh, à voir sur, ces, là, sur ce live, mais ça fait un mois que j'ai pas live, ça, il va y avoir encore peut-être un mois sans live, ça me paraissait important de vous mettre un peu au courant de, du pourquoi, du comment, de discuter avec vous. Et vu qu'on est sur la rétrospective des lectures de la saison 2021-2022, on est un peu sur la. Voilà, sur la. sur la clôture de cette saison. Donc c'est pas mal aussi de revenir un peu dessus. Euh, toujours sous cette forme de bilan. Je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. Encore une fois, les petites précautions concernant le format du soir, à savoir cette tier list. Euh, bien entendu. Euh, C'est une tier liste complètement personnelle qui va complètement euh, être subjective et parler uniquement de mes goûts, etc. Donc, est-ce que ça aura un réel intérêt pour vous, à vous de choisir, à vous de picorer ce qui vous intéressera dans ce que je vais raconter En tout cas, euh, pareil, je ne vais pas condamner des œuvres, je ne vais pas, bien entendu, euh, mon, mon avis étant subjectif, euh, vous comprenez bien que, que je vais pas vous l'imposer. Et, euh, et donc voilà, si, si je dis d'une œuvre que je l'aime un peu moins que, que ceci, que cela, c'est vraiment même pas définitif, même à titre personnel, parce que euh, peut-être que sur la même œuvre, vous m'auriez demandé hier et vous me demanderiez demain. Et bah peut-être que je serais en mode, euh, vous me demanderiez demain. Et eh ben peut-être que je serai en mode, euh, oh, mais c'est l'œuvre la plus géniale ou c'est l'œuvre la plus pourrie que j'ai jamais lue. Euh, donc voilà, euh, c'est il y a aussi ce paramètre-là qui entre en, en, en ligne de compte. Je trouve que vraiment, euh, sur le temps, sur la longueur, euh, ou à des périodes de temps différentes, un avis peut complètement changer. Il euh, y a des choses que j'adorais petit que j'adore toujours. Il y a des choses que j'adorais petit que je déteste. Ainsi de suite. Ainsi va la vie. Encore une fois, tout ça n'est que prétexte à ce qu'on discute un petit peu, à ce qu'on fasse un petit bilan, un petit récap, et puis qu'on se donne des lignes directrices peut-être pour les lectures de l'année prochaine. Et voilà, voilà. Pas de souci, c'est toujours un plaisir de savoir ce qu'il advint et ce qu'il adviendra. Merci, secrétaire, c'est très gentil, c'est très gentil, ta sollicitude me touche. Et du coup, bonsoir, Taekon Jimmin. J'espère que je prononce bien ton pseudo, désolé si ce n'est pas le. Et euh, merci, merci, merci de dire de prendre soin de moi, c'est très gentil, c'est très gentil. Vous êtes très gentil, dis donc, j'adore, j'adore les gens qui suivent mes lives, vous êtes tous très gentils. Euh, D'ailleurs, euh, j'en profite pour glisser que par rapport à cette euh, pause des réseaux sociaux, etc., que je vais effectuer en août, a priori, il me semble, attendez, je vérifie ça vite fait à tout tout. Oui, il me semble que ce dimanche, ça sera la dernière veillée de la saison. Donc euh, pareil, ceux qui veulent discuter avec moi sur Discord, euh, discuter avec moi et d'autres viewers, euh, jouer à des jeux de société, etc. C'est etc., tous les dimanches pour une veillée sur Discord, de 21h à minuit minimum. Et, euh, et donc, ça sera la dernière veillée de la saison, puisque après, je me déconnecte de tout, un maximum pour deux semaines. Même si plus les années passent et moins je peux me permettre de me déconnecter euh, complètement de tout, je vais essayer quand même parce que je vous le conseille, ça fait, ça fait assez du bien, je trouve, de se déconnecter. Euh, pas forcément que des réseaux d'ailleurs, mais juste euh, de la technologie, entre guillemets. Euh, donc voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Si, si c'est un petit conseil vacances que je vous donne, n'hésitez pas. <laughs> Allez, on est parti. J'ai vraiment trop, trop bavardé. Je me suis créé, comme d'habitude, un petit tableau avec une petite liste. Hop, on change de setup. Et voici les œuvres dont on va parler aujourd'hui. Les œuvres de cette saison 2021-2022 que j'ai lues en votre compagnie. On a donc « Les Contes de ma mère Loa » de Charles Perrault. On a ensuite « La guerre des mondes » d'Herbert George Wells. On a ensuite euh, « Mrs. Dalloway » de Virginia Woolf. On a pour continuer un chant de Noël, c'est un chant, je sais plus. Un chant de Noël de Charles Dickens. On a ensuite euh, Gatsby le Magnifique de Scott Fitzgerald, euh, de Francis Scott Fitzgerald. On a euh, 1984 de George Orwell. On a les aventures de Billy et. Euh, attends, c'est comment déjà <laughs> Les aventures du pyrobarbare barbare et de Billy dans la forteresse du chaudron noir. Et enfin, on a Esoteria destinée par Julien Zavatka Pigo. C'est compliqué de se rappeler de tout là. J'ai vraiment eu très peur euh, en lançant ce live parce que bah déjà j'ai pas fait de live depuis un mois, donc j'ai peur d'être un peu rouillé. Et aussi parce que, je vais pas vous mentir, peut-être que. Peut-être que je me fais vieux, mais j'ai l'impression que ma mémoire me, me, fait, me fait défaut de plus en plus. Quand j'ai vu la, de, la liste des œuvres... J'étais en mode merde, je me rappelais pas qu'on avait lu ça cette année, euh, donc, euh, donc ouais, c'est assez terrible, c'est assez terrible. J'espère que je vais avoir quelques petites, euh, petites choses à dire quand même. Sentez à vous les amis, on est parti, on est parti. La rétrospective commence réellement puisque on va commencer avec la première œuvre qu'on a lue sur cette saison, les Contes de ma mère Loa euh, » de Charles Perrault. Euh, cette édition regroupée. Euh, histoire ou conte du temps passé avec des moralités. Euh, donc, il y avait les contes de ma mère Loa avec la belle au bois dormant, le petit chaperon rouge, la barbe bleue, le maître chat ou le chat beauté, les fées, Cendrillon, la petite pantoufle de verre, Riquet à la houppe, le petit poussé. On avait également des contes en verre avec euh, Grisélidis et euh, Podane ou encore les souhaits ridicules. Donc... En somme, on avait beaucoup de textes différents au sein de la même œuvre, en quelque sorte. Euh, plein de contes. Vous savez que je porte un amour euh, assez inconditionnel pour ce type d'histoire, je pense, en fait. Euh, ou bien vous le savez peut-être pas, mais je vous le dis. Euh, C'est vrai que j'aime beaucoup ce type d'œuvre, j'aime beaucoup le format du conte. C'est un format qui me parle. Euh, D'ailleurs, à la suite des lectures de Perrault, si ça vous a intéressé. Je me suis dit que on pourrait certainement euh, lire d'autres conteurs, que ce soit Grimm, que ce soit Andersen ou d'autres. Euh, donc c'est une, une hypothèse que j'ai pour la suite. Euh, J'aime bien multiplier les formats sur ma chaîne. Euh, on a déjà fait euh, de la poésie, on a déjà fait du roman, on a déjà fait de la nouvelle, euh, on a déjà fait des textes philosophiques, on a fait de la... Bah, du conte du coup. Euh, donc on a fait... On fera bientôt, je l'espère, du coup, de la pièce de théâtre. Et euh, bah si j'arrive encore à ouvrir, j'ouvrirai. Euh, et c'est vrai que là, les contes de Perrault m'ont bien plu. Et je trouve que c'est une lecture un petit peu rafraîchissante dans le sens où c'est quelque chose qu'on connaît, mais il y a toujours des petites subtilités à découvrir. Il y a toujours des petites choses, des petites surprises auxquelles on s'attendait pas. Il euh, y a un côté souvent euh, bien plus sombre. Bon voilà, ça, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Maintenant, plus ou moins, tout le monde commence à savoir que dans les contes. Euh, qui ont inspiré euh, entre autres les Disney euh, et bien en vérité il y a souvent euh, des faces cachées euh, bien plus obscures euh, donc voilà ça c'est quelque chose qui commence à se répandre que tout le monde commence à savoir euh, malgré tout on peut quand même se laisser surprendre on peut quand même euh, se, se laisser amuser aussi à découvrir euh, que les histoires qu'on pensait connaître depuis tout jeune sont en fait un petit peu différentes euh, personnellement j'en garde un bon souvenir et à la fois J'en garde peu de souvenirs, c'est-à-dire que j'ai l'impression de ne pas avoir été euh, euh, bouleversé. Euh, j'ai eu ce à quoi je m'attendais. Euh, J'aime les contes. J'ai bien aimé comment c'était écrit, j'ai bien aimé les histoires. Ça m'a pas. Euh, ça m'a pas transcendé. Il euh, y en a quelques-unes de mémoire qui m'ont bien plu... Euh, euh, alors je ne saurais même plus dire lesquels, je crois que la barbe bleue ça m'avait bien plu, et je crois aussi que Griselidis, Podan et les souhaits ridicules, donc en fait plutôt les contes en verre, m'avaient intéressé parce que là pour le coup c'était un format un peu différent. Euh, des contes en verre j'en avais jamais lu jusqu'à présent il me semble, ça peut un petit peu s'apparenter aux fables de la fontaine pour le coup, euh, que je vous ai déjà lu aussi en live. Euh, donc euh, ouais, c'est j'ai pas grand chose à en dire en cela que je trouve que c'est sympa. Mais je trouve que c'est pas bouleversifiant, euh, comme dirait d'autres streamers. Euh, ça nous donne ce qu'on veut avoir quelque part. Bien qu'il y ait quelques surprises encore une fois. Du coup, je suis assez open. Euh... Alors attendez, hop. Je suis assez open à le faire dans le futur de nouveau. Euh, donc à répéter l'expérience de lire des contes en, en live. Ceci dit, en ce qui concerne les contes de ma mère loi de Charles Perrault, j'aurais tendance, du coup, dans ma, dans ma tier liste, allant de génial à sombre bail, en passant par très bon, sympa, passable et aïe ouille, j'aurais tendance à le mettre seulement dans sympa. Euh, ça peut paraître assez bas par rapport à tout ce que j'en ai dit de positif, mais en fait, c'est vraiment... Euh, J'ai remarqué qu'il y a un peu ce phénomène-là qui... Est, qui euh, qui s'opère chez moi au fur et à mesure du temps. J'ai l'impression que la chose qui va me faire... Euh, qui va me faire avoir un coup de cœur, qui va me faire surkiffer sur une œuvre, et là je parle pas forcément que de littérature, c'est la surprise, quelque part. Euh, la maestria, ça peut être intéressant aussi. Euh, Est-ce qu'on peut parler de maestria pour Perrault je sais pas. En tout cas... Voilà, euh, la chose bien faite, le format bien respecté, bien traité, bien écrit, etc., ça a son attrait, ça a son intérêt. Et il peut y avoir, voilà, je, je peux trouver un plaisir à euh, voir une structure euh, bien ficelée, ce genre de choses. Avoir des codes bien utilisés, etc. Mais j'ai l'impression quand même que de plus en plus, une chose qui est... Qui que j'ai cerné chez moi, c'est que euh, bah, c'est surtout la surprise et l'inattendu et, et la chose qui va un petit peu me retourner le cerveau, me bouleverser, me, me surprendre vraiment, qui va faire que j'apprécie quelque chose euh, un peu plus que juste sympa. C'est pour ça que sur Charles Perrault et les contes, je m'arrêterai à sympa. Euh, en fait, c'est bizarre parce que je m'arrête à sympa tout en me disant c'est carrément ma cam et je trouve ça très et je trouve ça très bien fait très cool etc c'est juste que ça me transcende pas ça m'a pas ça m'a pas troué le cul quoi euh, donc voilà c'est sympa genre j'irai de toute façon c'est un peu ma notation hein. sympa c'est un peu si j'ai l'occasion de le lire je le lis avec plaisir c'est c'est un peu cette cette frontière là pour moi passable à partir de passable c'est que déjà je dois faire un petit effort Sympa, c'est que j'y vais avec plaisir. Donc voilà, c'est vraiment ça pour moi, j'y vais avec plaisir. Je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais à dire. Euh, secrétaire qui nous parle, qui nous dit J'avais quelques-uns des comptes de Perrault, mais il y a vraiment longtemps, et si je sais que j'en garde un assez bon. Et si je sais que j'en garde un assez bon souvenir, j'en ai pas mal oublié. Mais oui, pas de quoi le mettre dans une catégorie négative, mais pas assez pour l'augmenter pour des plus élogieuses. Sympa. Ouais, donc en somme, secrétaire, on partage assez le même avis, j'ai l'impression. Euh, je pense qu'on est d'accord. Je pense aussi que, euh, en fait, c'est des histoires tellement universelles qu'on a entendues partout que euh, c'est à double tranchant. À la fois, il y a le plaisir de les redécouvrir et de les redécouvrir sous un nouveau jour et de se dire euh, ah mais ça je connais, c'est vrai, c'était comme ça quand j'étais petit ou des trucs comme ça. Et à la fois, ben bah, voilà, ce, cette perte peut-être un petit peu de magie, un petit peu de surprise. Euh, parce que voilà, on est, on est coutumier du fait, on est coutumier euh, du format et on sait où on met les pieds. Donc euh, voilà, moi c'est un truc, euh, le compte, où j'irai toujours avec plaisir, mais ça m'a pas, euh, pas euh, euh, tourneboulé. Hein voilà. <laughs> euh, écoute, secrétaire, euh, d'habitude pour les. Comment dire Pour les. Pour les. Pour les, pour les tier list viewers. Euh, j'essaie de faire un petit peu un, une mitigation, j'essaie de faire un petit peu la moyenne des, des avis des viewers. Euh, vu que tu es le seul sur le live, je vais, je vais prendre ton avis comme content. Euh, et puis du coup, bah, je préviens les gens qui me regarderaient en rediffusion que, attention, pour le moment, la catégorie viewer n'est représentative que d'un de mes viewers. Encore une fois, si vous voulez me faire des retours... Et justement, peut-être un peu euh, me, me donner des infos et me guider sur ce que vous voudriez voir par la suite dans mes lives. Euh, N'hésitez pas encore une fois à laisser des commentaires sur la vidéo YouTube. Ok, ok, on est bon euh, pour cette première œuvre. On va pouvoir entamer la seconde. La deuxième œuvre que je vous ai lue cette année est La guerre des mondes d'Herbert George Wells. Herbert George Wells, dont je vous avais déjà lu L'homme invisible. Euh, donc euh, voilà, ça déjà, si ça vous a plu la guerre des mondes, n'hésitez pas à aller checker L'homme invisible. Si ça vous a plu l'homme invisible, n'hésitez pas à aller checker La guerre des mondes. Je suis curieux d'ailleurs d'aller voir dans mes tiers listes des années passées. Attendez, attendez. Coucou Mirani euh, bah, Du coup, c'est gentil de prendre des nouvelles. Euh, je suis toujours malade, comme je disais, j'ai été malade pendant un gros mois et j'ai été assez salement malade pendant deux, deux grosses semaines. Donc je suis toujours malade, pas assez en forme pour faire des lives de lecture. Mais, euh, mais pour faire le live tier list de l'année, euh, je suis dispo. <laughs> D'ailleurs, euh, ton texte, ton œuvre, ton roman, Esoteria, sera dans la tier list, bien entendu. Euh, du coup, oui, je suis assez curieux de regarder les tier list des ans des années passées, euh, pour retrouver notamment l'homme invisible, où est-ce que je l'avais rangé? L'homme invisible d'Herbert George Wells, je l'avais rangé dans la catégorie sympa. Je l'avais rangé dans la catégorie sympa. Euh, tandis que ce qui s'apparente à des contes, c'est pas forcément comme ça qu'ils sont définis, mais ce qui s'apparente à des contes pour reparler des contes de Perrault, on va dire par exemple Alice au Pays des Merveilles de Carole ou Les Aventures de Pinocchio de Colody. C'est un peu. Bon, bref. Euh, voilà, euh, on va dire définition du, du mot compte large. Eh bien, je les avais mis en génial. Donc, euh, vous voyez, il y a quand même une différence. Mais je pense aussi que je préfère les formats longs sur ce type d'univers, euh, à des petites nouvelles, etc. Enfin, des petites nouvelles, des petits textes. En fait, les petits textes et tout, ça me rappelle vraiment ma jeunesse, mon enfance, avec euh, des bouquins illustrés, etc. Qui étaient très cool. Mais où, euh, voilà, je trouve peut-être un peu moins mon compte euh, aujourd'hui. Euh, voilà, voilou. Du coup, du coup, c'est un cas assez intéressant sur Herbert George Wells, puisque L'homme invisible, je l'avais mis en sympa. Et quand j'y repense aujourd'hui, euh, j'irai pas jusqu'à le mettre en passable, mais c'est un petit sympa. Genre, euh, j'ai été heureux de le découvrir. Il y a ça aussi qui entre en compte beaucoup dans mes lives de lecture, c'est qu'en fait, j'ai soif de découvrir des trucs. J'ai soif de découvrir des trucs et quasiment toutes les œuvres que j'ai lues avec vous en live, c'était la première fois que je les lisais. J'ai vraiment eu un appétit, une curiosité comme ça à découvrir des choses et justement à peut-être aller chercher la surprise, à peut-être aller chercher le, le truc inattendu qui va me, qui va me chambouler et voilà. Euh, donc du coup, j'avais été heureux de découvrir Herbert George Wells avec L'homme invisible. J'avais trouvé ça sympathique, mais ça ne m'avait pas transcendé, encore une fois. La guerre des mondes, j'ai été très surpris, parce que je m'attendais à apprécier ça beaucoup moins, euh, dans le sens où euh, l'homme invisible, on est sur quelque chose de beaucoup plus fantastique. Enfin, ouais, si, c'est ça. L'homme invisible, on est sur du fantastique plutôt, je dirais. Euh, alors que sur la guerre des mondes, on est plutôt sur de la science-fiction. Mais des images que j'en connaissais ou même de la notoriété et de la, et de la comment dit, de la construction mentale que je m'en étais faite euh, par rapport à ce qu'on connaît de la guerre des mondes comme ça dans le domaine euh, public on va dire dans l'inconscient le, dans le, dans collectif, euh, avec les films qu'il y a eu dessus, etc. D'ailleurs, je les ai vus au final enfin j'en ai vu un euh, après cette lecture. Euh, que j'ai plutôt bien apprécié. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je m'attendais à beaucoup préférer l'Homme Invisible à La Gare des Mondes, mais il euh, y a ce truc autour d'Herbert George Wells où il euh, y a quand même euh, beaucoup, beaucoup d'éloges et beaucoup de « il a créé le fantastique ». Bah attendez, je l'ai lu tout à l'heure. Je me suis relu son truc. Ils sont en mode euh... « il a ouvert la voie d'une science-fiction véritablement adulte, donnant au genre certains de ses inoubliables chefs-d'œuvre ». Euh, père fondateur de la littérature de science-fiction, tout ce genre de choses, tout ce genre de commentaires qui font que je me suis dit, bon allez, on va quand même lire La guerre des mondes, on va quand même aller découvrir ça. Et en fait, je saurais assez peu vous en reparler. Enfin, j'ai quand même des souvenirs, mais ce que je sais, c'est que j'en ai un très bon souvenir. <laughs> ce que je sais, c'est que je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Je pense même que c'est l'une des œuvres que j'ai le plus apprécié de cette saison 2021-2022. Et en fait, la chose qui m'a frappé, euh, c'est quelque chose qui est déjà arrivé sur plusieurs œuvres euh, que j'ai lues avec vous en live c'est de voir à quel point euh, c'était pas faux ce discours de euh, c'est fondateur, euh, c'est un pionnier du genre, etc. Parce que vraiment, ça fait partie des œuvres. Par exemple, l'an passé, c'était pas en live du coup, mais l'an passé, je vous ai parlé brièvement du fait que j'avais commencé à lire euh, le cycle Fondation de Didac Asimov, et je l'ai terminé depuis d'ailleurs. Et vraiment, le cycle Fondation d'Asimov, je suis en mode OK, c'est à cause de ce mec-là que tout le monde écrit comme ça dans la science-fiction. Et là, je me suis dit un peu la même chose avec Herbert George Wells. Je me suis dit OK, sa manière d'écrire, sa manière de raconter son histoire. Son histoire en elle-même, c'est vraiment la, la, la matrice qui a, euh, qui a euh, fondé ce genre, entre guillemets, pour des années et des années. Euh, D'ailleurs, euh, aujourd'hui, je dirais qu'il y a beaucoup, beaucoup de, euh, de théories sur les extraterrestres, de théories sur, euh, sur des trucs un peu, euh, un peu aussi euh, potentiellement euh, tournés vers le complotisme ou ce genre de choses. Euh, qui, je trouve, utilise beaucoup des manières de raconter d'Herbert George Wells. Euh, quand ce sont des outils qui servent une fiction, je trouve ça assez, assez génial. Et du coup, euh, j'ai beaucoup apprécié l'œuvre La guerre des mondes d'Herbert George Wells. Euh, je l'ai trouvée très prenante. Euh, j'ai adoré suivre le périple du personnage et, euh, et l'assez. Les, les quelques personnages qu'on rencontre il y en a pas tant que ça je trouve au final euh, en plus on est plongé dans une époque ça c'était vachement intéressant aussi on est plongé dans une époque qu'on connaît assez mal ou en tout cas que je connais assez mal euh, dans un cadre géographique aussi euh, que je connaissais pas forcément etc et du coup c'était ultra intéressant d'avoir un peu cette science fiction euh, du passé entre guillemets euh, en tout cas, l'une des premières œuvres magist... magistrales de science-fiction. Donc, euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant à plusieurs égards. J'ai trouvé ça vraiment très bien fait. Et, euh, et surtout, là où voilà, j'avais un petit peu ce fantôme euh, que je m'étais créé de la guerre des mondes, en mode ça va être les extraterrestres contre les humains, piou euh, piou c'est la guerre. Et bien, en fait, euh, je trouve pas que ça soit. Alors, je ne dirais pas que c'est... Quoi dire Je ne crois pas que ça soit central. C'est très présent, c'est très présent, c'est très, très important. Mais... C'est le corps de quelque chose, c'est pas juste ça. Il y a, y a quand même euh, beaucoup de scènes autour qui, sont, euh, euh, qui ont leur intérêt propre. Et, euh, et ouais, franchement, euh, je me rappelle notamment des scènes avec... Euh, le personnage un petit peu euh, un petit peu croyant carrément croyant je sais plus ce qu'il est exactement je sais plus si c'est un si c'est un évêque ou je sais pas quoi mais mais euh, je me rappelle notamment de ça et ouais ce passage là est très très cool enfin en fait sur les réactions humaines à un événement d'une ampleur telle c'est vachement intéressant aussi donc euh, franchement la guerre des mondes à bien des égards, je trouve que ça a été une lecture très très agréable et euh, et que je que je le recommande chaudement. Euh, ainsi, il ne vous étonnera certainement pas. Quoique, ça va peut-être vous étonner. Ça va peut-être vous étonner. Euh... En fait, même moi j'hésite presque avec tout ce que je viens de dire, mais je vais le mettre seulement en très bon. Bon, très bon, c'est déjà très bien. <laughs> mais je vais le mettre seulement en très bon. Parce que euh, encore une fois, j'ai trouvé ça très cool, j'ai été surpris, etc. Mais ça m'a pas non plus mindfuck. J'ai pas non plus été en mode What Mais c'est une dinguerie euh, J'ai pas été en mode tout le monde devrait l'avoir lu, etc. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais... Euh, j'ai trouvé ça très très bien, très très bien fait. Pour le coup, c'est exactement ce que, dit, ce que je vous disais tout à l'heure. Ce que j'aime beaucoup, c'est un peu ce côté maestria. Ce côté, dans ce genre, c'est exactement... Euh... Enfin, c'est exactement parfait, entre guillemets. Quoi. De toute façon, de toute façon faut prendre le truc à l'envers. C'est ça qui a fait que ce genre est comme ça, presque. Euh, comme je pouvais le dire avec Isda Kazimov. Donc, euh... Donc je trouve que dans tous les cas, c'est ultra intéressant à aller lire euh, pour se rendre compte de ça un peu. Et puis, euh, puis c'est une très bonne histoire, c'est ultra intéressant. Donc, euh, donc voilà, j'irai pas jusqu'à génial, dans le sens où c'est pas dans mes petits chouchous, c'est pas dans. S'il y a ma bibliothèque qui brûle et que je dois prendre cinq bouquins, euh, bah, la guerre des mondes y passerait peut-être. Mais. Enfin, euh, il passerait euh, au feu. Hein. <laughs> Attention, pas d'autodafé chez moi, mais, euh, mais voilà. Euh, vous comprenez ce que je veux dire. Et euh, donc voilà, je pense que très bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Euh, perso, la Guerre des Mondes me fait de l'œil depuis quelque temps, mais je, me, mais je ne me suis jamais assez penché dessus pour dire je ne l'ai toujours pas acheté. J'ai du mal à lire euh, en fait, j'ai du mal à parler, c'est différent. Euh, mais elle me tente vraiment et la vie que j'en ai d'ouï dire, notamment avec l'histoire, l'imaginaire qui s'en dégage, m'intéresse beaucoup. Alors que je ne suis pas trop science-fiction en temps normal, donc je ne me prononce pas, mais il faudrait que je le lise. Secrétaire, je te le conseille euh, encore une fois puisque euh, euh, moi-même en fait, ça m'étonne parce que moi-même, de prime abord, j'aurais tendance à dire que je suis pas trop science-fiction. Et en fait, plus le temps passe et plus mes mindfuck et, euh, et plus euh, ce que j'apprécie vraiment, c'est de la science-fiction. Genre, Isaac Asimov que j'ai lu là au cours de l'année, euh, plutôt euh, été 2021. Euh, Isaac Asimov, euh, là pour le coup, je le mettrais en génial. D'ailleurs, j'avais mis en génial parce que l'an passé, je vous avais un peu parlé des œuvres que j'avais lues hors-live aussi. Et euh, ouais, là, pour le coup, euh, je trouve que c'est du très très haut niveau. Bref, ça vaut le coup, il me semble. Il faudra que je finisse comment parler des livres que l'on n'a pas lus de Pierre Bayard. Ah, je ne connais pas pour le coup. Bonsoir Zikaël Merci pour ton abonnement de niveau 2 de 35e mois. Tu es fou. <laughs> tu es fou, mais, mais c'est très gentil. Je, sais, je, te suis, euh, je te suis très reconnaissant. Et du coup, euh, la forme... Euh, Petite forme, toujours un peu malade, mais ça me fait plaisir en vrai de faire un live. Euh, j'ai saisi l'occasion, j'ai saisi l'occasion. On était dans les temps de la rétrospective, et puis euh, je me suis dit, allez, il fait pas trop chaud, on y va. Et toi, comment ça va J'avoue, trois ans, trois ans d'abonnement, euh, c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. C'est un truc de gueudin. Euh, on fera la fête, euh, on fera la fête Zikaël. <laughs> Bien, j'en ai terminé pour la guerre des mondes. Je suis un peu long, excusez-moi. Du coup, la guerre des mondes, euh, je peux pas vraiment le ranger dans votre panthéon, les amis. Est-ce que je peux le ranger dans votre panthéon viewer, dans votre tier list viewer, puisque Secrétaire ne l'a pas lu À la limite, si Zikaël ou d'autres viewers de l'ombre ont un avis à communiquer, n'hésitez pas. Euh, et puis sinon, je le rangerai pas dans votre tier list parce que bon, ranger dans la tier list euh, des choses que vous n'avez pas lues, euh, c'est pas hyper intéressant. Euh, on va essayer de donner un minimum de fond à ces tier list. Zical qui nous dit sympa tiers ok. Pour Zical, ça sera du sympa. De la même manière que tout à l'heure, j'ai pris euh, le j'ai pris le le choix de secrétaire pour les contes de Perrault. Je vais prendre le choix de notre ami pour la guerre des mondes. Et donc, on va pouvoir passer à la suite. La suite que vous voyez ici. D'ailleurs, ça, ça va m'amener à une réflexion que je me suis faite aussi euh, tout à l'heure en, en reprenant mes bouquins. Hop. Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. La réflexion que je me suis faite en reprenant tous les bouquins de l'année, c'est que, bordel, qu'est-ce qui s'est passé cette année J'ai lu énormément d'œuvres britanniques sans m'en rendre compte, en fait. C'était pas du tout un choix. Euh, je sais pas, ça m'a attiré par je ne sais quel euh, miracle. Euh, mais il y a donc Virginia Woolf, Herbert George Wells, Charles Dickens, euh, George Orwell. Euh, et puis et puis voilà donc en fait euh, quasiment la moitié la moitié de ce que j'ai lu cette année c'était du britannique ça m'a ça m'a étonné <laughs> ça m'a beaucoup étonné euh, et du coup je me suis dit que vu que j'aime bien aller dans différentes trajectoires dans différents euh, paysages euh, peut-être pour les lectures à venir j'essaierai si un auteur britannique me fait de l'œil de me, de me calmer et de me dire, oh, attends, laisse passer ton tour un petit peu, on va faire, on va faire de la littérature d'ailleurs. Euh, enfin bon. Après, j'ai pas envie de juger complètement euh, sur ces bases-là, parce que s'il y a une œuvre qui me donne vraiment envie, peu importe d'où elle vient, je la lirai. Mais c'est vrai que j'aime bien varier un petit peu les plaisirs. Donc si je peux le faire, je le fais. Du coup, je m'attendais à mieux en vrai, mais ça reste sympa, nous dit Michael. Sur euh, la guerre des mondes, j'imagine, du coup, que tu dis ça. Ok, marrant. Moi, je m'attendais à moins bien et j'ai trouvé ça mieux. Comme quoi, on parlait tout à l'heure des attentes en introduction avec euh, Secrétaire et les attentes, ça, ça fait beaucoup, je pense. Du coup, Virginia Woolf, Mrs. Dolloway, c'est vous qui me l'avez recommandé. J'avais jamais, jamais entendu parler de cette autrice. Euh, J'avais pas du tout connaissance de son œuvre. Euh, là, on est sur, pour le coup, une vraie expérience je dirais dans le sens où euh, le style est très particulier le récit est très particulier il euh, y a une là on sent qu'il y a un gros travail euh, bah de style justement un gros travail mais qui peut je pense rebuter beaucoup de personnes euh, moi en l'occurrence j'ai trouvé ça plutôt sympathique ça m'a rappelé en fait c'est marrant parce que ça m'a rappelé des des, des tentatives que je peux avoir de mon côté dans mon écriture personnelle euh, et en fait j'ai un peu euh, pas appris parce que je savais que ça se faisait mais euh, c'est un peu la première fois que j'étais à ce point confronté à ce fameux style de euh, la dissolution au sujet si je dis pas de conneries il me semble que c'est comme ça qu'on dit euh, grosso modo le fait que le narrateur euh, soit un petit peu euh, effacé qu'on ne suive pas réellement un personnage à la trace, mais que la narration euh, se dilue comme ça euh, dans le décor, dans... Euh, en fait, va avoir une autre logique que la logique habituelle. Euh, voilà. Avec ce que nous décrit Secrétaire, le flux de pensée. Euh, donc clairement, je pense que tout ça, c'est giga intéressant. Moi, c'est quelque chose qui me parle. C'est quelque chose qui me parle parce que justement ce concept de flux de pensée, c'est vraiment euh, l'impression que Virginia Woolf a essayé de mimer sa manière de penser, comme si elle avait voulu rédiger sa, sa, sa petite voix dans sa tête quelque part. J'ai l'impression qu'il y a un peu un truc comme ça. En tout cas, moi je sais que c'est un effort que j'avais fait euh, dans mon... dans mon roman La paix sur Terre, et j'ai eu l'impression de... de ressentir un peu ce truc-là, et de voir que c'était un petit peu son... Ce, son exercice également dans cette oeuvre. Euh, j'ai trouvé ça un peu déconcertant par moments, j'ai trouvé ça très bien fait dans l'ensemble. En fait, moi, ce qui m'a le plus déconcerté, je pense, c'est que euh, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas d'histoire. Moi, c'est vraiment ça, ce truc-là qui me, qui me perturbe, on va dire. Il y a des... Je me rappelle, en fait je me rappelle qu'il y avait des bribes de plusieurs histoires, et que parfois c'était peut-être un peu frustrant de ne pas aller plus en avant dans une histoire et de vraiment s'accrocher à une histoire parce que justement il y a ce truc où on est un peu dans une euh, déambulation euh, et où parfois le texte, sur un détail de décor, sur un personnage qui va passer la rue ou quoi que ce soit, d'un seul coup le narrateur va complètement bifurquer et complètement passer presque du coq à l'âne. Euh, et en même temps, c'est fluide parce que euh, bah c'est bien fait, que c'est bien écrit et que ça a une logique. C'est juste que ça a une logique autre que la logique à laquelle on est habitué dans la plupart des romans, dans la plupart des textes. Euh, je sais, je me rappelle qu'il y a l'histoire d'un couple avec, il me semble, le mari qui meurt, il me semble. Je vous spoil peut-être, attention. Euh, et cette histoire-là m'avait plus marqué que les autres. Je la trouvais un peu plus incarnée, un peu plus. un peu plus euh, concrète. Euh, et je la trouvais intéressante. Et du coup, voilà, celle-là, elle m'a un peu plus marqué. Sinon, j'ai l'impression de ne plus pouvoir rien vous dire de cette œuvre. Et c'est ça qui est paradoxal. Et euh, qui fait peut-être que je ne suis pas non plus giga emballé. Euh, en fait, je me. Voilà, c'est pour ça aussi que j'aime ce... cet exercice de rétrospective. C'est que. Avec le temps, je trouve, on se rend compte d'à quel point une œuvre nous a marqué, si oui, comment, etc. Et euh, même si euh, je vous disais, j'ai l'impression que ma mémoire me fait défaut plus je vieillis, et c'est assez terrible parce que je suis encore jeune, bordel. Eh bien, mais bon, après, j'ai l'impression que je ne me suis jamais très bien souvenu des, des histoires, très bizarrement, euh, alors que je baigne dedans, mais bref. Euh, globalement. Je me rappelle du style, je me rappelle de la manière dont c'est fait, parce que ça c'est très marquant. Mais vraiment, ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai l'impression que c'est. En fait, c'est plus une expérience pour moi, c'est plus une expérience, c'est plus une déambulation. Et du coup, j'ai du mal à dire que j'ai apprécié l'histoire par exemple, parce que je trouve qu'il n'y en a pas vraiment. Euh... Est-ce que pour autant je n'ai pas aimé le roman, est-ce que je n'ai pas aimé l'œuvre Bah ben non, j'ai plutôt bien aimé. Donc en fait voilà, je suis vraiment dans un entre-deux comme ça, un petit peu un petit peu étrange où je où en fait je entre entre c'est génial et pas c'est mauvais, mais entre c'est génial et je suis indifférent. Il y a vraiment ce truc là. Il y a ce truc de euh, à certains égards, je trouve ça génialement fait. A d'autres égards, euh, je suis en mode euh, ouais je m'en fous un peu. Vas-y. <laughs> ben, juste parce que je me rappelle plus l'histoire et que moi je sais que c'est un truc qu'on m'a répété, je vous en ai déjà parlé. J'avais cette peur-là, justement. J'avais cette peur-là, justement. Euh, moi je suis traumatisé de Flaubert. J'ai essayé de lire Salambo. Je me suis arrêté à la page 60 et je pense que c'est l'un des seuls livres de ma vie que j'ai pas lu en entier. Quand Je suis arrivé à la page 60 de Flaubert, j'ai fermé le bouquin et j'étais en mode ça raconte rien, ça me saoule. J'étais en mode il n'y a pas d'histoire. <laughs> en fait, j'étais vraiment euh, hermétique complet et j'étais en mode il n'y a pas d'histoire, je vois pas l'intérêt. Genre, je trouve qu'on peut faire des textes qui parlent de rien, qui soient intéressants, mais Salambo, j'étais en mode. Ça parle de rien et il y a rien. <laughs> Bref. Après là, c'est vraiment un goût très personnel et euh, vous voyez à quel point euh, ça m'a traumatisé. Donc voilà, j'ai eu un peu peur pour Virginia Woolf et Mrs. Dalloway à cause de cette expérience-là. En définitive, j'ai bien aimé. C'est juste que euh, ça, ne va pas ça va pas laisser une trace indélébile non plus dans mon panthéon quoi. Euh, Je suis content d'avoir découvert. J'ai été amusé. Euh, de voir les différences euh, entre moi, ma manière d'écrire, où j'ai pu essayer d'écrire un peu à sa façon, et du coup, elle, sa façon de le faire. Euh, oh, Industria, s'il te plaît. <laughs> Fais pas ce genre de réflexion à la cour, s'il te plaît. Euh, donc, du coup, euh, bref, euh, qu'est-ce que j'étais en train de dire Oui, euh, donc, du coup, euh, j'ai ai bien aimé, mais. Euh, mais euh, j'ai bien aimé, mais ça ne sera pas dans mon panthéon. Désolé, j'ai été perturbé. Euh, du coup, qu'est-ce que je vais faire Je vais retourner sur ma tier list et je vais le ranger. J'ai du mal à dire. J'essaie avant le live de ne pas réfléchir trop, même si je ne peux pas m'en empêcher parce que je réfléchis en permanence. De ne pas réfléchir trop à l'endroit où je vais le caser. Euh, là, j'ai du mal à choisir ouais, Virginia Woolf. En vrai, je ne peux pas dire que j'ai été autant emballé que La Guerre des mondes. Donc, si je suis tout à fait honnête, je le garderai dans sympa, je pense. Euh, mais par exemple, là où les contes de Perrault, c'est un sympa moyen. Voilà, c'est un sympa franc. Virginia Woolf, ça serait plutôt entre le sympa moyen. Et le très bon bas voire moyen selon euh, ce qu'on prend en compte en considération l'histoire la technique la manière d'écrire le style euh, voilà voilou donc euh, je la je la baisserais plutôt en sympa euh, suivant vraiment m mes goûts en fait hein, ma subjectivité euh, parce que clairement dans mon panthéon perso je peux pas la mettre au même point que la Guerre des Mondes mais euh, voilà s'il y avait des cases intermédiaires, elles seraient, euh, seraient au-dessus des comptes et en dessous de la garde des mondes euh, pour moi. Euh, pour vous, pour vous maintenant, cher viewer, euh, alors attendez, je vais venir vous lire très brièvement parce que depuis tout à l'heure, je ne vous lis pas et je vois que vous avez dit plein de choses. Donc, secrétaire, qui nous dit En ce qui concerne le flux de pensée, je crois qu'il faut être un peu habitué. Typiquement, pas les œuvres avec lesquelles il faut commencer la littérature. Je suis d'accord avec toi. Euh, je pense que oui. Si tu commences à la littérature avec ça, c'est chaud quand même. Euh, Zikaël, j'ai pas du tout accroché, j'ai vite stoppé les replays de lecture. Ah, ok, ok. Euh, secrétaire, je crois que ce n'est pas l'histoire qui intéresse Wolfe, mais vraiment cette manière de voir comment la pensée fonctionne, illogique, décousue, divagante. Quelle histoire se joue dans notre pensée Aucune, et c'est tout ce qui compte. Je suis d'accord avec toi, secrétaire. Et, euh, et en fait, euh, en fait c'est ce que je disais, je trouve qu'il y a des manières de raconter du rien et, et du coup, euh, par rien, pas rien, j'entends pas d'histoire intéressante. Mais Salambo, à, à, à mes yeux, j'étais vraiment. Euh, j'étais vraiment en mode non, c'est pas possible, c'est pas possible. Euh, Zikel, les Diaboliques tiers. Oh non, pas du tout. Les Diaboliques, il faut savoir que pour le moment, c'est la seule œuvre que j'ai classée en aïe-ouille. Et j'ai jamais rien classé en sombre bail pour le moment. Non, non, vraiment, pour moi, c'est mieux que les Diaboliques. Euh... Et encore les diaboliques, euh, même avec le recul, oh, je l'ai mis en high, oui, mais avec le recul, peut-être que je le mettrai en passable, tu vois. Bon après. Encore une fois, ça peut changer euh, du jour au lendemain, et, et peut-être si je le relis, je vais être redégoûté, mais. Mais euh, ouais, non, franchement... Euh, J'ai beaucoup mieux apprécié a priori Mrs. Dalloway quand même. Secrétaire qui nous dit. Euh, après Salambo, qu'importe comment que cela s'écrive, et le roman de Flaubert où le style est le plus lourd. Le style de Flaubert, bien qu'il soit toujours plus ou moins le même... Ce qui fait un grand écrivain se montre sous plusieurs aspects, et pour une rapide vue de chacun, on peut lire les trois contes, où dans chacun des contes, nous retrouvons les divers aspects de son style. Ok, ok. Bah écoute, secrétaire, je me suis euh, fait souvent cette réflexion de est-ce que je redonne sa, sa chance à Flaubert Parce que c'est un peu mon seul traumatisme de littérature jusqu'à présent. C'est vraiment la seule œuvre que j'ai en tête et le seul. Euh, et le seul auteur que j'ai en tête où j'étais vraiment en mode Oh non, je peux pas, je peux pas, j'arrête. Genre, en général, j'aime pas arrêter une œuvre en cours parce que j'aime bien voir l'intégralité. Pour moi, c'est aussi à l'intégralité, euh, à l'unité complète d'une œuvre que tu peux la juger. Euh, et là, je, je pouvais pas aller plus loin, quoi, j'étais saoulé. Et du coup, souvent, je me suis demandé Est-ce que je redonne sa chance à Flaubert Est-ce que je lui redonne sa chance par Salambo est-ce que je lui redonne sa chance par peut-être Madame Bovary Parce qu'a priori, c'est là que tous mes camarades en, littéra en études littéraires l'ont découvert. Euh, pas moi, mais voilà. Et euh, est-ce que du coup, je passe par les trois contes comme tu le conseilles Je sais pas. Peut-être les trois contes, c'est vrai qu'il y a le mot compte, alors ça peut plus me plaire. Je sais pas. Euh, aucune œuvre en sombre bail, Madame de Lafayette relève le défi. Euh, j'ai jamais lu, j'ai jamais lu Madame de Lafayette. Pour moi, il n'y a pas de sombre bail dans les lectures que je vous ai présentées pour le moment. Après, forcément, hein, euh, on peut partir aussi d'un postulat simple là-dessus, qui est tout simplement que ce que je décide de faire en lecture, en live, j'ai quand même un minimum d'appétence à le découvrir. Donc en général, euh, il faudrait vraiment que ce soit une désillusion folle pour que, euh, pour que euh, je me dise euh, « ok, c'est un sombre bail ». Euh, ça a été un peu le cas de, de Natsume Soseki. Enfin, euh, en vrai, <laughs> on va pas retourner sur, ce, sur cet épisode. Euh, ah, je l'avais mis en ai-oui aussi. Comme quoi j'en avais mis deux en ai-oui. J'avais mis Je suis un chat de Natsume Soseki. Je me rappelais plus que j'avais mis en ai-oui. Euh, ouais, c'est vrai que. Ouais Tu vois, à posteriori, Zikaël, toi qui parlais euh, des diaboliques, A posteriori, je pense que j'aurais plus d'appétit à relire les diaboliques. Qu'à relire, euh, je suis un chat. Mais bon, c'est mon goût perso. Avec les diaboliques, j'ai pas trouvé le sommeil pendant trois mois. <laughs> Dieu merci, maintenant j'ai effacé le livre de ma mémoire, n'importe quoi. <laughs> La vue est complète, tu sais. Euh, moi j'avais bien aimé Soseki. Ouais, c'est marrant sa secrétaire, parce que justement, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup les rétrospectives. Euh, bah, on se rend compte à quel point on est tous différents, quoi. Et on se rend compte que bah, on peut pas tous aimer les mêmes choses. Et, euh, et en fait, c'est marrant parce que je suis un chat de Natsume Soseki, je me suis rendu compte que globalement, euh, vous l'aviez tous plutôt apprécié, euh, voire trouvé très bien. Et moi, c'était vraiment pas mon bail, quoi. Zikael <laughs> qui va qui va se, se défouler jusqu'au bout sur la diabolique. Euh, du coup, euh, secrétaire. Tu, allumes, tu as lu Mrs. dollaway du coup, tu avais regardé le premier live, il me semble, c'était ce que tu disais. Zika, doit, du coup, tu t'es arrêté en cours, donc j'imagine que tu pas accroché. Euh, vous, vous, vous le classeriez où Même si vous n'avez peut-être pas suffisamment euh, découvert l'œuvre, entre guillemets, pour vraiment donner une note euh, légitime, entre guillemets. Bon, après, des notes légitimes, encore une fois, hein, c'est hyper subjectif, et voilà, c'est plus euh, indicatif qu'autre chose, mais... Mais ouais, vous classeriez ça où J'ai pas accroché, mais je peux pas dire que c'était mauvais. Du coup, Zika, elle, tu te positionnerais plus sur un passable Un truc comme ça Ça reste bien écrit, je trouve. Donc tu serais plus sur le passable, voire sympa, Zika Enfin, dans ton panthéon personnel, peut-être pas sympa, du coup, mais. Secrétaire, passable ou sympa, il faudra que j'envoie plus pour me décider. Ok. Ah, bah à ce moment-là. Je vais quand même faire votre tier list, parce que ça m'amuse, et puis. Euh... Ça m'amuse aussi de faire le comparo, en fait, hein, tout simplement. Passable. Ok, si vous êtes tous les deux sur du passable sympa, euh, voilà, on va dire que la moyenne, c'est du passable. Encore une fois, euh, ça n'engage que vous. Et encore une fois, si vous avez vu cette œuvre, si vous l'avez lue vous-même ou si vous m'avez entendu la lire, n'hésitez pas à laisser votre avis sur la rediffusion YouTube. Euh, il me semble que ça avait reçu quand même plutôt un bon accueil, Virginia Delaway. Virginia Dolloway. Mrs. Dolloway, Virginia Woolf. Je crois que ça avait eu quand même un plutôt bon accueil, notamment aussi parce que, bah encore une fois, c'était pour le coup une œuvre que vous m'aviez proposée et dont j'avais aucune idée, quoi. Sympa, je serais allé au bout de l'histoire. Ok, je comprends, je comprends. Ouais, bah ouais, on a, on a un peu la même logique. Très bien. Euh, on va pouvoir passer à l'œuvre suivante. J'ai l'impression de faire très long. Dites-moi si c'est le cas. Euh, je suis un bavard invétéré. Je sais pas si c'est le fait de pas avoir fait de live depuis longtemps, j'ai l'impression de beaucoup divaguer, mais, euh, mais voilà, n'hésitez pas à me dire si je suis trop long et si je dois accélérer. On passe sur un chant de Noël écrit par Charles Dickens. Ah, en vrai, je pas bah pareil, je savais plus, je savais plus trop euh, quoi en penser, je savais pas trop ce que j'allais en dire. Et là, d'y arriver, je suis en mode guilleret, je suis en mode content. Euh, C'était une très bonne découverte pour moi parce que euh, littérature britannique, Charles Dickens, j'avais très très peur euh, parce que dans ma tête, attention, peut-être que j'ai complètement faux, mais dans ma tête, Charles Dickens, c'est avant tout Oliver Twist et, euh, et même d'autres textes qui ont un peu la même, euh, la même euh, aura, je dirais. Et en fait, moi, j'ai peur je sais pas et je sais pas expliquer la chose sans paraître euh, peut-être un peu dur ou condescendant etc euh, et si ça se trouve je me trompe parce que je les ai jamais lus en fait moi j'ai découvert Charles Dickens par Un Chant de Noël mais euh, c'est vrai que du dehors du dehors avec euh, toute l'imagerie que je me fais d'Oliver Twist j'ai l'impression que c'est vraiment le genre de texte pile poil fait pour ne pas me plaire euh, le genre de texte euh, pas qui se veut historique, mais qui a quand même une bonne dose de ça et une bonne dose de... Comment dire ça Peut-être pas de misérabilisme. Peut-être que j'emploie des grands mots et que c'est pas ça parce que encore une fois je l'ai pas lu, donc peut-être que je me fais une fausse idée de la chose. Euh, et puis aussi, euh, je sais pas. J'ai l'impression que ça s'inscrit dans quelque chose de très historique et de très... Euh... Et de très euh, ah, sociétal, ou enfin, je sais pas comment expliquer la chose. En fait, je ne sais pas expliquer ce qui me dérange vraiment. Ah, encore une fois, je ne l'ai jamais lu, donc c'est l'image que je m'en fais. Mais j'ai l'impression que c'est un livre que je vais lire et que. Euh, et que. Il euh, y aura un peu un aspect germinal quelque part, mais dans les aspects qui ne me plaisent. qui me, Pas qui me déplaisent, mais qui me plaisent moins de germinal. Un peu ce truc de. Euh, ah, on, va parler, on va parler, des travailleurs qui travaillent dur et ceci et cela et tout. Et en fait, je sais pas, je trouve que c'est des thèmes importants, des thèmes intéressants, etc., etc. Mais dans la manière dont c'est fait dans la littérature en général, ça me, ça me saoule. Genre, je sais pas, j'ai pas envie de lire ce genre de choses. Je sais pas. En fait, je pense, je pense que j'ai pas envie de lire ce genre de choses parce que c'est des sujets qui m'intéressent IRL et que je trouve ça déjà suffisamment lourd et triste IRL sans. Me, re me réinfliger ça dans mes moments de plaisir de lecture, et re-avoir des moments tristes et lourds, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un peu un truc comme ça. Je saurais pas décrire très précisément, j'ai pas fait la psychanalyse de, de ce phénomène-là, le pourquoi du comment j'ai cette image de Dickens, d'Oliver Twist, euh, d'ailleurs d'une partie de la littérature britannique. J'ai l'impression que la littérature britannique, d'ailleurs, on le voit un peu avec... Euh, avec toutes les œuvres que j'ai lues cette année, euh, et c'est aussi vachement de, de, de s'intégrer davantage dans un, dans un réalisme historique quelque part. Et euh, c'est vrai que c'est pas forcément ce qui me parle le plus euh, en littérature. Donc voilà, je saurais pas décrire précisément le phénomène qui fait que j'ai cette euh, pas cette aversion, mais cette petite euh, répulsion, ce petit a priori sur Dickens euh, de prime abord, et donc comme souvent, petit conseil que je redonne une fois de temps en temps, euh, je trouve ça toujours hyper agréable de découvrir un auteur par une porte dérobée. Euh, par exemple, Balzac que tout le monde détestait en cours, et moi je l'ai découvert par La peau de chagrin et j'ai adoré. Dickens, euh, Oliver Twist, ça me bottait pas du tout. Et Un chant de Noël, j'ai trouvé ça très très bien. Donc vraiment n'hésitez pas et je pense que... Ça fait un peu partie d'une de, de, solution à, à ce dont on parlait tout à l'heure secrétaire, c'est-à-dire les attentes. Je pense que les attentes, c'est un truc de fou comment ça matrixe le cerveau et comment ça peut te faire appréhender une lecture, appréhender un film ou quoi que ce soit d'ailleurs. Et à quel point ça peut te gâcher ton plaisir. Euh, ou au contraire, si tu t'attends à lire, à voir, etc., de la merde. Être agréablement surpris, ça peut aussi avoir cet effet bénéfique-là. Euh, mais du coup, c'est vrai que plus ça vient et plus je me dis, c'est pas mal quand même d'avoir vraiment zéro attente et d'aller à l'inconnu et de te confronter toi-même et ton fort intérieur à, à l'œuvre, au produit ou que sais-je encore. Je vous lis brièvement. Zikael qui nous dit que... Oliver Twist est un gros banger, Germinal mais en bien. Ah, t'as pas aimé Germinal <laughs> Et Secrétaire qui nous dit De Dickens, j'avais lu Oliver Twist que j'avais trouvé assez sympa. Et Un Chant de Noël me tente un peu plus en ayant la version de Disney en tête. Seulement, je sens que le parti pris par Dickens est plus complexe à réussir en littérature. La langue anglaise en elle-même est beaucoup plus terre à terre que celle française de manière générale. Ah, intéressant ce commentaire, Secrétaire. Et du coup, justement, avec Un Chant de Noël, ce que j'ai apprécié, c'est que. On se rapproche beaucoup plus du conte, justement. Euh, tu parles de l'adaptation euh, Disney. Je ne savais pas qu'il qu y avait une version Disney. Ou je savais pas que c'était une version de Disney, celle que je connais, en tout cas. Euh, moi, celle que je connais, c'est celle avec euh, Jim Carrey, du coup. Euh, je ne savais pas que c'était Disney. Bref. Euh, en tout cas, Un Chant de Noël, Scrooge, euh, Les Fantômes, etc. etc. En fait, c'est trop bien parce que c'est une histoire giga connue. Je pense que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler avec le fantôme des Noëls passé, présent, futur, etc., etc. Et en fait, ça a réussi à m'amener sur les plates-bandes euh, de, bah, de Dickens, je pense, un petit peu. Et justement, je me suis dit, je me suis fait la remarque, ah, Charles Dickens a un style et écrit plutôt bien. Avec Pixou qui, qui maltraite Mickey. Pixou en Scrooge, j'avais perdu son nom. Ah oui, d'accord, c'est à ça que tu faisais référence. Ok, d'accord. Ouais, bah ouais, carrément, Pixou, c'est vrai que c'est un Scrooge en puissance. Euh, donc du coup, vraiment, euh, j'ai été assez surpris parce que avec ce format un peu plus conte, avec ce format euh, fantastique en fait, parce que euh, le, le surnaturel s'invite dans le réel, eh bien j'ai beaucoup plus accroché. Et euh, c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est la recette qui marche sur moi. Euh, la peau de chagrin de Balzac, pareil, c'est du fantastique qui vient s'intégrer, qui vient s'inviter dans un réel euh, euh, très concret. Euh, donc là, euh, en fait, il a réussi à Dickens, a réussi à me tirer un petit peu vers son style plus réaliste, vers son style plus terre à terre, comme on disait tout à l'heure, euh, via ce, cette entrée fantastique. Et en fait, j'ai pas trouvé euh, désagréable les, les passages, euh, les passages, on va dire un peu plus euh, réalistes quoi. Euh, donc au final, franchement, j'ai j'ai vraiment eu une très belle surprise, une très belle découverte sur ce euh, sur ce texte, euh, du coup découpé en chants. Et, euh, et justement euh, dans le Zikal qui nous dit c'est un monstre Dickens en écriture. Justement, je serais très curieux de lire de nouveau du Dickens pour me rendre compte de son style euh, sur un roman, par exemple. Parce que là, vu qu'on est quand même dans un format très proche du conte, euh, qui se présente sous le, la forme du chant, etc., euh, j'ai bien apprécié le style Dickens, mais, mais je me demande à quel point c'est le style Dickens qui euh, s'adapte au style du conte, ou à quel point c'est vraiment le style Dickens. Mais c'est vrai que j'avais été agréablement, su agréablement surpris, non seulement par l'histoire, mais également par, euh, par l'ambiance, etc. Mais également par le style, où euh, je ne m'attendais pas à avoir euh, ouais, une, une belle plume entre guillemets. Je m'attendais peut-être à quelque chose de plus. Euh, de plus lourd, de plus lourdingue. Et au final, il euh, y avait... Je me rappelle qu'il y avait une certaine... Euh, je vais peut-être pas dire poésie, quoique. En tout cas, il ouais, y a une certaine, euh, une certaine rythmique euh, qui lui est propre et une certaine manière de composer des phrases et tout. Où vraiment, je me suis dit, ah tiens, ça c'est sa manière de parler et pas celle de quelqu'un d'autre. Et euh, bah, ça, on en a déjà parlé souvent, mais euh, je trouve qu'avoir un style, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et euh, pour un auteur, on va dire. Et, euh, et quant à ton style, c'est là pour moi que presque tu deviens vraiment un auteur, entre guillemets. C'est que. Quand, quand on se dit, ok, cette phrase, elle est tournée à la manière d'un tel, c'est que c'est réussi quoi. Donc, euh, donc non, franchement, euh, j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé. Euh, et du coup, Zikael qui poursuit en nous disant, il y a des passages avec Dickens, j'ai des images en le lisant. Et il nous dit également, c'est dynamique Dickens, je trouve, je ne m'endors pas. C'est vrai que non, franchement, sur ce bouquin-là, j'ai rien à redire, j'ai vraiment bien aimé. Secrétaire qui dit... Il y avait Patibulaire en fantôme des Noëls futurs et Dingo en fantôme des Noëls présents, je crois. L'autre j'ai oublié. Ah ouais, ah bah j'ai jamais vu cette version-là pour le coup. Euh, d'ailleurs euh, moi qui suis assez fan de Jim Carrey et qui euh, me targue d'avoir vu toute sa filmographie, j'ai jamais vu. Euh, j'ai jamais vu l'étrange Noël de Scrooge. Je crois que c'est comme ça que le titre a été traduit. Mais euh, non c'est pas l'étrange Noël de Scrooge. J'ai fait un mélange de l'étrange Noël de Monsieur Jack et Bref, en tout cas, la version avec Jim K, je ne l'ai pas vue, je crois. Ça vaudrait peut-être le coup d'aller voir. En tout cas, ce bouquin-là va me poser des problèmes. Ça va me poser des problèmes. Où est-ce que je vais le classer Où est-ce que je vais le classer euh, Ceci dit, pour le style, il y a toujours la limite de la traduction concernant les textes étrangers. C'est sûr, c'est sûr, c'est évident. C'est évident, malgré tout... Euh, euh, malgré tout, euh, comment dire, le style, je dirais, c'est aussi un peu plus que, euh, que la poésie ou la rythmique d'une phrase, c'est aussi, je trouve, dans la structure un peu plus globale du paragraphe, du chapitre, euh, de l'œuvre dans son intégralité, et, euh, <coughs> et dans la manière d'agencer les, euh, les événements, euh, les retournements de situation, etc. Donc, euh, malgré tout, je suis d'accord avec toi, bien sûr, secrétaire. Mais je trouve quand même qu'on peut juger au moins en partie d'un style malgré une traduction. Euh, du coup, j'hésite pas mal. C'est vrai que j'en ai parlé avec assez d'enthousiasme. C'est vrai que ça a été une plutôt bonne découverte. En fait, j'aurais envie de le mettre en, entre sympa et très bon, personnellement. Euh. Ouais, j'ai l'impression que je le mettrais moins haut que la guerre des mondes, mais plus haut que les contes et Mrs. Dalloway, euh, dans le plaisir que j'ai pris à le lire, etc. Donc allez, je vais, je vais le mettre en très bon. Euh, mais c'est vrai que dans mon esprit, ça résonne plus comme euh, un bas très bon ou un haut sympa, quoi. Encore une fois, je suis plus dans, dans la limite entre les deux. Mais bon. C'est le fameux problème des tier list, c'est qu'il faudrait une case, une case par, par élément tellement, tellement ça n'a aucun sens de comparer les oeuvres et de les ranger comme ça. Mais bon, c'est encore une fois, c'est un outil pour discuter un peu. Euh, du coup, Zikaël, pour toi, ce serait du très bon. Secrétaire, pour toi, ce serait quoi Attends, tu me disais que tu l'avais... Ah oui, non, tu disais que tu l'avais pas lu. Tu avais dit que ça te tentait un peu plus donc, du coup, je pense qu'on va se baser sur le sentiment de Zikael à ce moment-là. On va se baser sur le sentiment de Zikael. Se partir sur du très bon. Hop. Ouais, du coup, voilà, c'est bien ce que je pensais. Hop, hop. Bon, bah, vous m'en voudrez pas, mais euh, cette année, euh, la, la tier list viewer euh, est un petit peu plus euh, personnelle. Voilà, elle est un petit peu plus euh, dédiée au secrétaire euh, et Zikaël. C'est un peu moins une c'est un peu moins un... un consensus une moyenne de tous les viewers mais encore une fois n'hésitez pas à me communiquer vos avis sur la rediffusion YouTube bien euh... ça ne vaut pas Oliver Twist donc c'est pas génial c'est bien écrit tu vois pas le temps passer c'est dans la culture mais très bon de ce qu'il dégage ok d'accord bon bah très bien je vous fais confiance on part sur très bon pour vous euh, sachant que du coup euh... Du coup, euh, Oliver Twist, euh, c'était peut-être aussi l'un des rares autres blocages que je pouvais avoir en littérature. Je sais pas pourquoi. Et peut-être que je serais plus enclin à découvrir Oliver Twist. Est-ce qu'on lirait Oliver Twist en live Est-ce qu'on irait jusqu'à passer ce pas-là Parce que pour que je relise un auteur en live, faut vraiment que je l'ai bien aimé. Les auteurs que j'ai lus plusieurs fois en votre compagnie sur ma chaîne. C'est quand même que, en général, je les classe dans du génial, quoi. Euh, après, euh, ouais. J'ai plutôt été emballé par un chant de Noël, pourquoi pas. C'est pas, pas impossible. Peut-être on lui donnera sa chance. Est-ce que l'année 2022-2023, la saison 2022-2023, je vais faire donner la chance à tous ceux euh, où j'ai des appréhensions <laughs> Genre, ça serait marrant et à la fois, ça pourrait être horrible parce qu'au euh, bout de deux mois, je pourrais vachement. Je pourrais âprement regretter mon choix, mais euh, ça peut être intéressant à voir. Bref, c'est des idées en l'air, on verra bien ça. D'ailleurs, euh, je, je réitère mon message habituel, n'hésitez hein. pas. Euh, n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas si vous avez des suggestions de lecture pour la suite euh, des lives. Euh, Faites-les-moi par commentaire, euh, sur le chat Twitch, euh, en privé sur Discord, sur... Euh, tous mes réseaux Facebook, Twitter, etc., etc. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Je suis preneur. Encore une fois, je me réserve le droit de dire non à tout, bien évidemment, mais je suis assez ouvert à n'importe quelle suggestion. Et euh, la seule règle absolue, c'est que ça soit tombé dans le domaine public. C'est vraiment le seul truc que j'essaie de, de respecter. Et puis, euh, et puis, bah, les règles basiques, quoi, qui est pas des choses obscènes et ainsi de suite. Ça, euh, vous le savez, vous le devinez aisément. Ok, secrétaire, bon, bah, peut-être que je m'y mette, peut-être que je m'y mette. Contrairement à Germinal. Ah, c'est marrant, vous êtes tous les deux euh, anti-Germinal, entre guillemets. Marrant. Marrant, marrant. Bref, on est parti, les amis, sur la suite du programme. Cette année, nous avons lu ensemble Gatsby le Magnifique par Francis Scott Fitzgerald. Et là, on est sur un cas très bizarre. Donc, du coup, œuvre qui parle des années folles en Amérique, euh, enfin, en tout cas, c'est le décorum. Euh, cette œuvre me laisse une impression très, très étrange. Vraiment très étrange. Dans le sens où j'ai l'impression que je l'ai lu deux fois, mais je ne suis pas sûr. Je vous en avais parlé lorsque j'avais fait la lecture en live. Je ne savais plus dire si je l'avais déjà lu ou pas. Il me semblait que oui. Et en le relisant en live, je me redis que je l'ai relu. <laughs> je me redis que je l'avais déjà lu au préalable, mais je ne suis pas sûr. C'est très bizarre ce bouquin euh, que Zikaël met en génial direct. Moi, je suis beaucoup plus mitigé. En cela que ça me laisse une vague impression. En fait, c'est ça qui est bizarre. Ça me laisse une vague impression, ça me laisse une une marque pas très pas très puissante, pas très forte. Et en fait, pour moi, si je reprends mes catégories, pour moi dans mon esprit, ça oscille entre génial et sympa voire passable. C'est-à-dire que j'ai l'impression que l'œuvre est giga inégale. Euh, L'Inkipit et l'excipit sont giga connus, euh, giga incontournables, ultra intéressants, ultra bien écrits. L'histoire, globalement, a un rythme très particulier, je trouve, un rythme très lent. Il euh, y a quelque chose de très poétique, et justement, il y a des passages qui sont poétiques, et c'est ces passages-là que je classerais dans le génial. Il y a des passages qui sont giga poétiques. Euh, un peu suspendu comme ça euh, et que j'adore. Euh, si je me rappelle bien, il me semble que les 30, derniers pas, les 30 dernières pages, je les trouve largement au-dessus du lot. Les 30 dernières pages, si je me rappelle bien, je les mettrais vraiment dans le haut du panier et dans le génial. Par contre, il y a plein de moments où j'ai du mal à voir où ça va, où je suis à la limite de l'ennui et où je me dis... Euh, je me dis, euh, entre ces fulgurances poétiques incroyables, il y a vraiment des moments de... Euh, de euh, quotidien euh, de la vie américaine des années folles où je suis en mode, ok, c'est intéressant à découvrir, etc. Mais au bout d'un moment, euh, qu'est-ce que j'en ai à foutre, quoi <laughs> Au bout d'un moment, euh, je l'ai vu dans des milliers de films et ça ressemble à tout, entre guillemets, enfin, je sais pas comment expliquer. Je... En fait, c'est marrant parce que là, en en parlant, je dépoussière un petit peu ma mémoire et il y a des choses qui me reviennent en tête et je me dis ah ouais il y a ça qui est cool il y a ça qui est cool il y a ça qui est cool donc il y a plein de bons éléments et pourtant je ne sais pas pourquoi globalement ça n'imprime pas euh... donc je suis vraiment très mitigé entre euh, génial et passable enfin euh, passable c'est peut-être un peu fort allez peut-être un bas sympa je sais pas entre génial et sympa pour moi ou quelque chose comme ça je suis content de l'avoir lu je suis content de l'avoir découvert, ça c'est clair et net, je trouve ça intéressant. Encore une fois, euh, un peu de, de la même façon que les œuvres britanniques dont j'ai parlé jusqu'à présent et que j'ai lu cette année, bah ben là voilà, on découvre un nouveau monde, on découvre une nouvelle époque, une nouvelle réalité, une nouvelle. Euh, une nouvelle temporalité euh, dans la littérature que moi je ne connaissais pas trop. Donc tout ça, je trouve ça très sympathique. Il y a quelque chose d'ultra énigmatique. En fait, je pense que c'est ça. Il y a quelque chose d'ultra énigmatique dans cette œuvre qui fonctionne un temps et qui, pour moi, euh, ne fonctionne plus assez rapidement. Et revient, enfin, et trouve sa conclusion avec brio dans les 30 dernières pages. En fait, c'est ça. Je pense que... Alors là je parle de mémoire, hein, peut-être que je suis pas exact à 100%, mais il me semble que ce que j'ai pas aimé, c'est que ça commence très bien, très énigmatique, très posé avec une ambiance nocturne, très spéciale, etc. Très poétique encore une fois. Et j'ai l'impression que cette énigme, cet, cet énigme euh, essaie de continuer de prendre. essaie de continuer à prendre de l'ampleur et qu'elle n'y qu parvient pas, et du coup je trouve qu'il y a une, un ventre mou de ouf. Je trouve qu'il y a un ventre mou hyper désagréable et hyper ennuyant. Et que par contre, quand ça vient à la résolution de l'énigme en quelque sorte, euh, au dénouement de tout ce mystique dont parle Zical par exemple dans le chat, je suis d'accord avec toi pour employer le mot mystique. Je trouve qu'il y a en effet euh, une ambiance un peu comme ça euh, de mysticisme. Euh, c'est une ambiance très éthérée, de toute manière, globalement, et euh, ça, je trouve ça hyper agréable, justement, je trouve que ça, ça fait partie de, de la poétique euh, euh, génialissime de Fitzgerald, euh, ouais, du coup, il y a vraiment, voilà, je suis vraiment pris entre, entre deux choses, et euh, c'est assez, assez bizarre, c'est assez troublant pour moi, entre guillemets, euh, Zical qui nous dit, les livres comme ça avec un personnage extrêmement fort, je surkiffe, c'est limite mystique. Bah, tu vois, personnage extrêmement fort, est-ce que tu parles de Gatsby Parce qu'au final, Gatsby, je ne l'ai pas trouvé si fort que ça, moi. Euh, je trouve que tout ce qui était construit autour de Gatsby était intéressant. Et qu'en fait, après, ça fait un peu un soufflet quand on le découvre vraiment. Un soufflet, euh, genre, qui dégonfle, quoi. C'est là un peu mon ventre mou je crois. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est difficile. C'est un peu comme un Dorian Gray. Ah pour le coup Zika, j'avoue que euh, je vois un peu la je vois un peu la connivence que tu fais entre les deux. La connexion. C'est très fort mais l'histoire te le casse sur la fin. À ah, moi c'est ça que j'ai bien aimé justement. Je trouve qu'à la fin, ça, ça, ça prend une tournure assez inattendue et assez. Euh, assez euh... En fait, euh, j'aime bien aussi, bah, justement, encore une fois, dans ce délire de surprendre, j'aime bien qu'on ne soit pas non plus euh, uniquement, c'est pas forcément désagréable, hein, mais j'aime bien aussi qu'on ne soit pas uniquement coucouné par un auteur et que parfois, euh, bah, parfois euh, on n'est pas tenu par la main, parfois il y a des choses dures et ainsi de suite. Et pour le coup la fin, euh, la fin de Gatsby, c'est pour ça que j'avais bien aimé, c'est que j'étais en mode ah ok, euh, l'auteur a osé quoi. Donc ça c'est cool. Euh, plus tu avances et plus tu comprends que le personnage n'est rien. Ah voilà, dans ce sens-là, ok. Dans ce sens-là, ouais. Dans ce sens-là, on est assez raccord. Il a à la fois le héros et le, mé et le méchant. Ouais, ok, ok. Ok, je, je perçois un peu ton goût du coup. Du coup, secrétaire, ah ouais, je n'ai jamais entendu parler ni de l'Inkipit ni de l'Excipit. Il vient de passer d'un coup dans les livres que je devrais lire assez rapidement. Ah bah à ce moment-là, je vais pas te spoiler, je vais pas te spoiler, secrétaire, mais c'est vrai que c'est un Excipit et un Inkipit qui sont assez connus. Euh, D'ailleurs, petit fun fact sur, euh, sur ça, parce que du coup, ça me, ça me rappelle ça. Il euh, y avait un humoriste, en quelque sorte, c'est difficile de le qualifier qui s'appelait Andy Kaufman en Amérique, euh, je sais plus, dans les années quoi, dans les années 60, 70, un truc comme ça, j'imagine. Je sais plus du tout, en vérité. Bref. Euh, Peut-être plus tard, quand même. Je sais plus. Je dis des bêtises. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je dis. Euh, et donc, il y a eu un film qui s'appelle Man on the Moon, euh, où Jim Carrey interprète euh, son, son rôle. Et en fait, apparemment, pour punir, entre guillemets, son public, ah ouais mais faut que je vous raconte toute l'histoire pour que ce soit intéressant en gros il avait fait partie d'une série où il faisait un personnage qui était très populaire etc, mais qui avait une manière de s'exprimer très spécifique et ainsi de suite et du coup lui il faisait des spectacles de musical limite, enfin voilà et du coup quand il allait sur scène après le succès de cette série les gens dans le public se tenaient pas du tout et genre euh, dans les 2-3 premières minutes du spectacle, tout le monde gueulait pour qu'il fasse son spectacle de la série et, euh, et en fait, euh, il cédait à moitié, mais après il essaie de reprendre, et puis en fait on lui re -re réclamait, et ainsi de suite. Et en fait, au bout d'un moment, il s'énerve, <laughs> il se barre aux coulisses, il chope Gatsby le Magnifique, et il commence à lire Gatsby le Magnifique pour, public, pour punir son public, et, euh, et il le lit dans son intégralité en une soirée, il finit la soirée quasiment à faune, etc., euh, et en fait, euh, tout au long du spectacle, euh, au début, il y en a qui se marrent en mode Ah, c'est une blague. Et puis après, il y a plein de monde qui se barrent en mode euh, Ok, t'es un con, quoi. Et, euh, et voilà, au final, à la fin, il y a quasi plus personne. Il y en a un qui, qui applaudit et qui est en mode Wouhou, en mode Waouh, wow, belle performance. Euh, donc, bref, moi, c'est le rapport que j'ai à Gatsby le Magnifique de base <laughs> aussi. Et, euh, et justement, euh, dans ce film, on a Linky Pit et Lexy et, euh, et ouais, je pense vraiment que c'est un Inkipit et un Excipit de la notoriété euh, que j'ai l'impression qu'il a, euh, dont, les, dont, dont en fait les Américains, quelque part, sont très fiers. J'ai l'impression que Fitzgerald et Gatsby Magnifique, c'est vraiment l'une des œuvres majeures de la littérature américaine. Et que, ouais, il y a vraiment une fierté sur cette Inkipit Excipit. Bref. Euh... Ah, on est pareil, euh, secrétaire, sur le spoil. Du coup, secrétaire, tu vas pas pouvoir voter a priori. Zikai, tu, toi, tu es euh, sur du génial à euh... ah n'en pas démordre, si j'ai bien compris. Et moi, où est-ce que je vais classer ça Où est-ce que je vais classer ça euh... Poum, pa -poum, pa -poum, pa -poum. Très difficile pour moi. En fait, il y a des trucs que j'ai trouvé incroyables. Il y a des choses que j'ai trouvées beaucoup moins bonnes. Ah, globalement, je pense que j'ai préféré à Mrs. Dalloway et au compte quand même. Allez, je dirais que, un peu comme un chant de Noël, ça serait plutôt un... un bas très bon et un haut sympa pour moi. Je pense que ce serait un peu un truc comme ça. Euh, ouais, c'est portrait de Dorian Gretière légendaire. Ah oui, à ce moment-là. Euh, secrétaire, justement, si je vote, c'est uniquement a priori. Ouais, voilà. Je préfère avoir euh, pour ces tier list euh, la tier list des gens qui, qui l'ont lu ou qui l'ont écouté avec moi. Euh, donc, du coup, bah voilà. ce sera le classement euh, personnel de la musique à elle. Ça sera du génial. Le premier génial de cette liste, que ce soit ma tier -liste ou la vôtre. Euh, en vrai, je peux comprendre. Et euh, il aurait été possible que je vote génial également si tout le livre avait été à la hauteur de ce que j'ai préféré dans le livre. Grosso modo. Si vraiment tout le livre avait cette note poétique. Parce que vraiment, des fois, il y a des phrases. En fait, elles ressortaient énormément, justement, je trouve, ces phrases emplies euh, euh, de, po de poésie. Parce que justement, le reste l'était moins. Et euh, donc voilà, il y avait des phrases que je trouvais très très belles, mais qui parfois je trouvais sortaient un petit peu du lot. Ce qui veut bien dire que, à mon goût, le reste était de moins bon niveau. Voilà. C'est un peu mon retour global. On va pouvoir passer à l'œuvre suivante, les amis. On en est a dépasser la moitié, on a dépassé la moitié. Encore trois œuvres euh, dont je, je vois. Euh, encore trois œuvres dont je voudrais m'entretenir avec vous. Et nous allons passer à quelque chose d'attendu. Du coup, j'imagine, puisque secrétaire, t'avait l'air de particulièrement kiffer en intro. Nous avons lu ensemble cette année 1984, écrit par George Orwell. Euh, c'est quasiment l'une des dernières lectures que j'ai fait cette année. De bah, toute façon, là, les lectures que je vous passe de tout à l'heure, je les ai fait dans l'ordre chronologique euh, de mes lectures de l'année. Donc, c'était assez récemment, et ça a été aussi un petit peu concomitamment au moment où j'ai voulu euh, prendre une pause des lives ou un peu freiner, comme je vous en avais déjà parlé. En fait, je pense que c'est pas pour rien, bizarrement. Dans le sens où cette œuvre-là, quand je l'ai eu finie, euh, bah, j'étais ultra satisfait, ultra content, parce que euh, Zikaël qui nous dit là ça va être fit, vite fait, je le sens, instant génial. Et bah pour moi c'est instantanément génial également. Euh, George Orwell ça a été une grosse claque. En fait j'avais déjà lu du George Orwell, j'avais déjà lu La Ferme des Animaux que j'avais trouvé super, que j'avais vraiment trouvé super. Euh, je sais pas si je l'aurais mis en génial par exemple si j'avais fait un classement, mais je le trouvais vraiment très très solide, La Ferme des Animaux. Et là, découvrir 1984, en fait, j'avais vraiment des a priori. On parle encore des attentes et tout. Hein. J'avais vraiment des a priori alors que je connaissais pas du tout l'œuvre. J'avais vraiment énormément d'a priori, un peu comme je peux l'avoir sur Dickens, où je me disais, ça va pas être pour moi, ça va parler de trucs giga terre à terre. Euh, giga euh, giga engagé quelque part en mode euh, en mode presque militant euh, avec euh, avec euh, de la guerre etc etc et en général les sujets de la guerre et voilà c'est pas des sujets qui m'intéressent dans la littérature euh, ou difficilement enfin, ça ça dépend de la manière dont c'est fait mais voilà bref il y avait plusieurs choses comme ça qui faisaient que j'avais du mal à me projeter sur une lecture de 1984, euh, que j'ai pris dans la gueule, que j'ai trouvé incroyable de bout en bout, que j'ai trouvé plein de bonnes idées. Euh, en fait, il y a, encore une fois, ça fait partie de ses œuvres majeures pour moi. C'est vraiment une œuvre majeure en cela que tu le lis et tu comprends que ça a marqué son époque et les générations suivantes et la littérature à venir et euh, les œuvres cinématographiques à venir et ainsi de suite et même la pensée en fait globale des gens quoi euh... pas étonnant qu'on parle encore euh, fréquemment de Big Brother ou euh, ce genre de choses quand on parle de la technologie quand on parle des réseaux sociaux et ainsi de suite je trouve que c'est juste majeur en fait c'est juste giga bien vu hyper euh... J'aime pas trop quand, quand, quand une œuvre a cette aura-là, parce que c'est toujours difficile de, de vraiment faire la part des choses et de vraiment savoir, mais il y a un peu ce côté prophétique sur l'œuvre euh, de euh, Ouah, c'est incroyable, elle a prévu le futur et tout. Je dirais pas non plus qu'elle a prévu des choses euh, imprévisibles, quoi. Elle a pas. Euh, je trouve pas non plus que. Euh, euh, qu'il y ait eu des choses. Comment dire euh, bah, prophétique. Je trouve pas qu'on peut aller jusqu'au mot prophétique. Je trouve pas qu'il y, qu y a des choses complètement hallucinantes euh, en mode c'était impossible de penser ça. Ceci dit, il y a des choses très intéressantes, très bien vues, en fait c'est ça, très bien vues, très bien réfléchies sur la société telle qu'elle devait être à l'époque de l'auteur, telle qu'elle pouvait l'être dans le futur qu'elle l'est aujourd'hui, etc. Bref. Euh, c'est l'œuvre qui est prophétique ou c'est la société qui s'est inspirée du livre ouais, Tu penses qu'il peut y avoir carrément un livre qui inspire une société Je ne sais pas. Je ne sais pas si je crois à ce genre de choses. Je ne sais pas. La question est posée, hein, après, mais... Euh, aucune idée. Aucune idée. Je ne saurais pas répondre. <laughs> en tout cas, j'irai peut-être pas jusqu'à dire que c'était prophétique, mais j'irai jusqu'à dire que, clairement, George Orwell... A eu, des, a eu des intuitions à a des, a des choses qu'il a très bien vues très bien réfléchies très bien expliquées et justement c'est ça qui est génial c'est que c'est pas un manuel quoi c'est pas un manuel qui va te dire ah ben en fait il s'est passé ça parce qu'il s'est passé ça et puis je te prends la main et puis je t'explique l'exposition de l'univers est faite très très subtilement en fait, on plonge complètement, on est en immersion complètement dans l'univers, et on comprend la gravité et la et la comment dire la forge entre guillemets euh, qu'est cette société euh, décrite dans le bouquin euh, au fur et à mesure qu'on la côtoie. En fait, plus on passe de temps dans cette société avec le personnage principal et plus on se rend compte et plus on se rend compte du bourbier dans lequel il est enlisé et dans laquelle euh, plus ou moins tout le monde est enlisé. Et euh, non, franchement, c'est giga intelligent, c'est giga bien. Euh, ça peut avoir des accointances sur certains thèmes avec Kafka, je trouve. Euh, ça me fait un peu penser à, des, à ce genre de lectures qu'on a déjà pu lire en live et euh, qui ont été des lectures que j'avais adorées également. Euh, non, franchement, ça a été une gigamone surprise. J'adore, 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 j'adore la subtilité aussi de l'outro. Euh, alors je sais plus comment il appelait ça. Euh, vous savez à la fin il y a une partie un peu de bonus. Euh, comment ça s'appelle Appendice voilà. Les principes d'une nouvelle appendice qui se présente justement un peu plus comme un comme un manuel d'histoire ou quelque chose comme ça. J'adore la subtilité de cet appendice qui pourrait être simplement vu comme un appendice et qui en fait. Par la manière dont c'est raconté, attention, je vais spoiler, mais par la manière dont c'est écrit, on comprend que du coup, ce qui est décrit est du passé. Et ce qui du coup est un message d'espoir sur le fait que cette société dont on pense qu'on ne peut pas s'en sortir, et eh ben peut-être qu'ils s'en sont sortis dans le futur. Et euh, rien que ça, c'est d'une subtilité folle. Euh, L'œuvre est sans concession aussi, c'est ça aussi que je kiffe. L'œuvre est sans concession, elle n'est pas tendre avec son personnage principal. Euh, il arrive des choses graves. Euh, il arrive des choses euh, angoissantes, euh, mais pas dans le sens euh, effrayant, etc. Mais pas dans le sens euh, comment dire, dans le sens surnaturel de la chose. Euh, on va te faire peur ou, ou enfin je sais pas, ou gore ou quoi que ce soit. Mais, mais vraiment, il y a des choses où tu te dis putain le mindfuck, euh, la société peut en venir là. Enfin. Je trouve qu'il y a des tas d'explications qui sont génialissimes sur la langue. Ça, c'est ça aussi, je pense, qui fait que, que j'ai un petit coup de cœur là-dessus c'est que la langue, le travail de la langue est incroyable. Euh, on passe par plusieurs, euh, plusieurs manières de faire des récits. Il y a des récits enchâssés, euh, avec des bouts de journaux, des trucs comme ça. Il y a une création de langue qui est ultra intéressante avec la Novelangue. Et euh, une explication, une explicitation de ce que sont les termes qu'emploie la société et de l'importance des mots et de l'importance de la société euh, et de l'importance du pouvoir qu'on qu arrive à insuffler euh, dans les mots et ainsi de suite. En fait, c'est ça qui est fort, c'est que c'est aussi quelque chose de très méta, c'est une lecture aussi très méta qui parle de la langue et, euh, et qui la décrit euh, d'une manière assez effrayante mais à la fois assez géniale. Euh, on se rend compte euh, voilà, du, du potentiel et de l'ampleur que peuvent avoir certains actes, notamment l'acte qui peut sembler anodin de la langue de la parole. Quoi. Et, euh, et non, franchement, c'est une masterclass. C'est une masterclass. Je pourrais dire des tas de choses. J'ai l'impression d'en avoir déjà dit pas mal. Euh, je vous le conseille grandement. Je pense que ça, c'est une œuvre que tu relis tous les euh, 5-6 ans et que tu es en mode. Euh, euh, ah ouais, ok, c'est incroyable. <laughs> euh, et euh, ouais, à notre époque, clairement, ça trouve des échos intéressants. Clairement, ça trouve des échos intéressants. Euh, et, et si j'avais vraiment un message que je trouve ultra intéressant, ultra important dans ce bouquin, et euh, qui pour moi serait une raison presque suffisante de le lire. C'est euh, vraiment cette analyse de la langue euh, et se rendre compte que euh, modifier la langue, c'est pas gratuit. Euh, se rendre compte que euh, la manière dont certaines personnes vont employer la langue va vraiment changer potentiellement les mentalités, va vraiment potentiellement neutraliser. Euh, une quelconque euh, rébellion, une quelconque. Euh, un quelconque euh, pouvoir euh, opposant. Parce qu'en fait, euh, si tu annihiles les moyens de penser un cimetière... Hein, de penser un cimetière. Si tu annihiles les moyens de penser négativement un système, bah tu peux plus critiquer si ce système. Euh, donc euh, voilà. Rien que pour cette leçon-là, entre guillemets. Bon, on n'est pas là pour recevoir des leçons forcément, mais. Rien que pour ce... Rien que pour cette idée qui est très bien exploitée euh, par George Orwell, je vous invite vraiment à lire 1984. Masterclass. Euh, du coup, je reviens vers toi un petit peu, Zikaël, dans le chat. Euh, ça a une portée dans la pensée derrière le livre. Ça va au-delà du livre. C'est incroyable. Je suis d'accord avec toi. Euh, C'est le Matrix de la littérature. Ah! Ah, intéressante comparaison, intéressante comparaison. C'est vrai que euh, je me risque à des comparaisons. Non mais franchement, c'est pas con du tout, J'aurais jamais fait de moi-même euh, ce lien. Et clairement, euh, clairement, il pourrait être fait. Et c'est marrant parce que Matrix, euh, c'est dans mon top euh, des films. Donc euh, tu vois, <laughs> comme quoi, ça, ça a une certaine logique. Euh, oh, je suis content que. Je suis content de t'avoir fait découvrir Kafka du coup. C'est peut-être plus bienvenue à Gataka que Matrix, mais Matrix c'est plus classe. Ah bienvenue à Gataka, j'ai jamais lu pour le coup. Ah j'aime ai, bien euh, J'ai jamais lu. C'est un livre, bienvenue à Gataka. Si ça se trouve, je dis de la merde. J'ai déjà entendu le, le nom, mais je sais même pas ce que c'est en fait. Euh, je suis euh, je, je suis très inculte hein, malgré, malgré toutes les lectures qu'on a pu faire ensemble. Euh, du coup, voilà, je l'ai pas fait, mais il faut quand même le faire. Il faut quand même le faire. Pourquoi Parce que ça va être mon premier génial euh, de cette saison 2021-2022, et à vrai dire, ça sera certainement le seul. Euh, alors que dans les tiers listes des saisons passées, j'en avais eu beaucoup. Genre euh, saison 2000-2021, j'en avais eu trois. Saison... Bah, saison précédente, c'est-à-dire toutes les saisons précédentes confondues, donc ça fait plusieurs années, j'en avais eu euh, 11. Donc est-ce que je suis plus euh, strict, est-ce que je suis plus euh, sélectif euh, dans, ma, dans ma classification Je ne sais pas. Ou est-ce que juste, voilà, je, je suis moins tombé sur des coups de cœur Est-ce que je me blase Je ne sais pas. En tout cas, 1984, clairement, ça a été un génial. Et je pense que au sein de tout ce que j'ai classé dans les géniales jusqu'ici, euh, c'est certainement l'un des plus hauts classés quoi. Pour moi, c'est un film, mais c'est peut-être tiré d'un livre. Il y a eu des gros classiques l'an dernier, faut dire. Ouais, c'est vrai aussi. Bon, en fait, cette année, euh, c'est marrant parce que vraiment, quand j'ai regardé, je me suis dit. Ah, j'ai lu pas grand chose à la fois. Il y a quand même huit bouquins. Je sais pas. J'ai du mal à me. Après, je vais pas vous mytho. J'ai de plus en plus de mal à sélectionner des œuvres en fait. Parce que bah, j'ai pas envie de me répéter. J'ai pas envie de faire des choses qu'on a déjà fait. Euh, j'ai envie de me diversifier. Donc, je cherche des, des textes aussi peut-être un petit peu plus obscurs parfois. Et du coup, c'est assez difficile euh, au final de, de réavoir des gros coups de cœur. Euh peut-être aussi voilà parce que j'ai peut-être une forme de lassitude blasitude bla, bla, euh, en mode euh, en mode euh, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de certains thèmes ou de certains formats ou de certains genres même si en vérité il ya toujours de quoi se réinventer hein, mais euh, je regarde la saison 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ouais j'avais lu 10 bouquins en vrai si j'avais pas été malade j'en aurais j'en aurais lu 9 voire 10 donc en vrai, on n'a pas fait forcément une saison euh, si, si mince que ça non plus. Euh, mais voilà. Et du coup, euh, secrétaire, je ne sais pas s'il est toujours parmi nous. Il me semble euh, que non. Zikael, toi tu voterais pour du génial, du coup, sur 1984, si j'ai bien compris. Hop. Oh, c'est cool déjà qui est, qui est deux géniales dans ta liste je trouve. Toujours, mais rien à dire. Ouais du coup secrétaire, je, je me rappelle plus, toi tu l'as. dit quoi T'avais dit qu'il te faisait de l'œil mais que tu l'avais pas lu, c'était ça. Je, je, je mêle les pinceaux, c'était Tu T'avais dit qu'il te qu'il te bottait bien. Ouais voilà, c'était ça. Je me rappelle ce que. Je me rappelle du message que tu m'avais envoyé au début du live. Que ça te bottait bien, mais qu'on t'en avait trop parlé. Très bien. C'était là qu'on a eu la discussion sur les attentes. Je me rappelle. <laughs> du coup, on est bon sur du génial. Hop. On va passer à l'avant-dernière œuvre de ce soir. Et pour les deux dernières œuvres, on va aller sur des choses. Euh, euh, un peu différentes. Non, il ne me botte pas du tout. Ah Ah, d'accord, secrétaire, il me semblait. Ah d'accord, j'avais mal compris alors. Je pensais que tu disais que on t'en avait trop parlé, que ça te saoulait, mais que euh, t'aimerais bien tenter l'aventure, quoi. Ok. Je pense commencer Orwell par la ferme des animaux et voir après. Bah la ferme des animaux, comme je disais tout à l'heure, je l'ai bien appréciée. Je dirais que c'est un peu moins. Euh... Bah pour moi, la ferme des animaux, c'est moins masterclass que 1984. Mais la ferme des animaux est pour moi très solide et très bien écrit également. Enfin voilà. Euh, bonne lecture à toi si tu franchis le pas. On va pouvoir passer à la suite, comme je le disais, deux lectures un petit peu spéciales pour les deux dernières lectures de l'année. Puisque je vais vous parler des aventures du pyro barbare et de euh, Billy dans la forteresse du chaudron noir écrit par euh, Bob Lennon et... Comment il s'appelait David Kuhn. Kuhn. Je ne sais pas comment on prononce toujours. Désolé. Lecture vraiment spéciale pour le coup, euh, puisqu'il s'agit euh, de... Alors Bob Lennon, vous le connaissez certainement de YouTube pour beaucoup d'entre vous. Euh... Il s'agit d'un livre dont vous êtes le héros, en somme, hein, même s'ils si n'ont pas eu le droit d'utiliser cette phrase. Donc du coup, c'est un livre dont vous êtes Billy. Euh... Donc du coup, c'est un livre-jeu. C'est un livre où vous allez vivre une histoire personnel qui est un petit peu de l'ordre euh, de, euh, de, du jeu de rôle grosso modo euh, vous avez des chapitres dans lesquels vous allez à chaque fois avoir à faire des choix à dire bon bah je veux prendre tel objet du coup je vais rajouter telle caractéristique à mon personnage euh, je veux aider ou ne pas aider tel personnage du coup je vais me rendre à tel chapitre ou à tel chapitre ainsi de suite et ainsi de suite comme ça vous allez faire votre petit bonhomme de chemin votre petite aventure Là-dedans, euh, c'est un gros bouquin, c'est un gros bouquin et euh, on y a passé quand même beaucoup de temps. On y a passé beaucoup de temps et de ce que j'ai compris en le feuilletant et de ce que j'ai compris en me renseignant un peu dessus, j'ai l'impression qu'on aurait pu jouer des heures et des heures de plus si on avait fait un nouveau perso et qu'on avait recommencé du début en faisant des choix différents. Donc, vraiment, pour le coup, en termes de contenu, il y a vraiment beaucoup, beaucoup à découvrir. Euh, entre guillemets, on n'est pas, pas lésé. Il y a, y a du contenu, il y a beaucoup à faire. Euh, pour moi, ça a été une très bonne surprise puisque je n'avais jamais fait de roman dont vous êtes le héros. J'avais déjà fait, quand j'étais jeune, des. Quand j'étais jeune. Ah, ces années antédiluviennes. Euh, quand j'étais jeune, j'avais déjà fait euh, des des livres illustrés dont vous êtes le héros grosso modo c'était pas vraiment des BD euh, et j'avais plutôt bien aimé euh, j'ai un passif aussi de joueur de jeux de rôle je joue pas mal aux jeux vidéo également etc et puis forcément la littérature vous vous en doutez bah j'aime plutôt bien lire donc euh, globalement ça avait euh, des promesses et globalement ça les a tenues euh, j'ai vraiment été surpris même de la qualité non pas que je m'attendais à ce que ça soit pourri mais je m'attendais à ce que ça soit sympa. Je ne savais pas à quel point. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment très bien. J'ai vraiment trouvé ça très agréable. Je trouve que comme jeu, ça fonctionne très très bien, même si je l'ai dit dans mon bilan, <laughs> je trouve qu'il y a. Pardon, un de tout qui arrive pour la première fois du live. Vous voyez, je vous l'avais dit, je suis encore malade. <coughs> euh... Donc, oui, euh, sur le côté euh, jeu. Le petit bémol, c'est que parfois je trouve qu'il y a des petites imprécisions dans les règles, c'est pas giga clair, et du coup parfois, t'es un peu obligé de faire à ta sauce parce que tu n'es pas sûr de ce qu'il faudrait faire. À part ça, c'est assez fluide, ça marche bien, c'est pas lourd, ça ralentit pas la narration. Il euh, y a des très bonnes idées. Euh, du côté littéraire, c'est intéressant. C'est pas que de la référence à Bob Lennon et euh, à toute sa... Légende, parce que c'est un personnage entre guillemets Bob Lennon et notamment le pierrot Barbare, c'est un personnage euh, du YouTube Game. Euh, voilà, euh, lui aussi antédiluvien, n'est-ce pas? Donc, euh, donc, forcément, on aurait pu avoir peur de ça aussi, mais non, franchement, on se noie pas dans les références, etc. Il y en a quelques-unes, il y a des petits clins d'œil qui sont sympas, mais ça reste relativement subtil et, et voilà. Et l'histoire est assez classique. En fait, c'est ça qui est bien. C'est que l'histoire est classique, je trouve. Relativement classique. Il euh, y a tous les... Pas, pas les clichés, mais il y a tous les éléments auxquels on pourrait s'attendre dans ce type d'histoire d'aventure. C'est vraiment une histoire d'aventure avant tout, je trouve. Et d'action, à pas mal de moments. Euh, et... C'est ces, ces éléments-là, bien fait. C'est juste ça, en fait. On s'attendait à ce genre de choses, ça a été ces choses-là bien faites et même parfois un peu étonnantes. Je trouve que le jeu et la littérature ont des euh, ont des atouts euh, chacune, on va dire, et que elles sont entremêlées d'une très bonne manière euh, et que euh, bah, les les deux pendant euh, jeu comme livre se répondent bien et se nourrissent bien l'un l'autre. Donc, c'est vraiment une expérience, c'est vraiment une expérience sympathique, très sympathique pour moi, très intéressante. Euh, forcément, ça a, une, ça a un espace un peu particulier, forcément, dans, euh, dans mes lives de lecture. Euh, c'était un peu à mi-chemin, euh, voilà, c'était un, un peu autre chose, un autre format. Mais c'était très très cool, j'ai beaucoup apprécié. J'ai apprécié à tel point que qu'un crowdfunding qui a terminé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. A eu lieu pour le tome 2, euh, qui se nommerait, il me semble, Les Aventures du Pierrot Barbare et de Billy dans les sables. Uh -huh. Les sables de la Corne d'Ivoire. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça le titre. Euh, donc du coup, il y a eu un crowdfunding euh, récemment auquel j'ai participé. Euh, et donc je vous montrerai certainement en live euh, ce que j'ai reçu avec ce crowdfunding. Euh, et notamment le bouquin. Euh, que euh, qu'il y a de fortes chances que je fasse euh, en votre compagnie euh, peut-être euh, peut-être au cours de l'année prochaine je crois qu'on est censé recevoir euh, les bouquins et tout le reste d'ailleurs en mars 2023 euh, je ne pense pas que je le ferai directement à la sortie j'aime bien un peu espacer etc bref mais euh, mais au cours 2023 il est possible qu'on passe là-dessus et, euh, et ça sera un plaisir. Euh, ça prend du temps de faire une aventure complète. Donc, je ne sais pas si je vais avoir le courage de me refaire un personnage et de reprendre à zéro. Mais l'envie serait là. <laughs> l'envie serait là. Pas forcément en live hein, d'ailleurs, mais pour vous dire que j'ai vraiment bien aimé. L'envie serait là. Après, ça prend quand même particulièrement du temps. Donc, euh, je ne sais pas si je le ferai. Mais en tout cas, je le ferai dans le tome 2. Rien n'est moins sûr. Et du coup, avec cette œuvre un petit peu spéciale, euh, dont Zikael nous dit qu'il avait bien aimé, euh, qu'il ne connaît pas d'autres livres dans ce style, et que du coup il a du mal à savoir s'il est bon. C'est vrai que c'est intéressant aussi ça. Euh, moi, comme je disais, par rapport à ce que je connais, j'ai trouvé ça bien fait. Après, je connais pas grand-chose. Euh, je connais ce que je vous ai cité. Des romans euh, dont vous êtes le héros, vraiment, euh, comme la collection. Euh, mince, comment ça s'appelle? l'aurais dit mille fois. Ah, c'est loup quelque chose là. Loup solitaire. Comme la, comme la collection des loups solitaires ou ce genre de collection. Euh, je les connais de nom. J'ai déjà vu des personnes en parler, etc. Mais je les ai pas moi-même pratiqués. Donc c'est sûr que dans ce style, je connais pas vraiment euh, euh, d'équivalent. Mais j'ai eu l'impression que c'était plutôt bon, voire très bon. Et. Euh, et globalement, euh, le principe en lui-même ne change pas beaucoup de ce que je connais. Hein, de toute manière, euh, a, il a eu des manières inventives de le mettre en scène, ça qui est très cool. Par exemple, il y a cinq actes, euh, six à peu près, on va dire, parce qu'il y en a un qui a deux versions, et chaque acte a sa manière de se jouer différente quasiment. Donc, euh, donc encore une fois, il s'est amusé dans les structures, dans les narrations. Et voilà, je trouve vraiment que en prenant des bases euh, en prenant les bases d'un format euh, très codifié, il a réussi à déployer son histoire et à déployer euh, ses, ses aventures euh, de manière euh, vraiment très sympathique. De comment j'ai vécu le truc, je dirais très bon. elle, je crois qu'on est assez d'accord. Je crois qu'on est assez d'accord. Moi j'allais le mettre dans très bon. Euh, encore une fois c'est un peu particulier de le mettre dans le même dans le même dans la même tier liste que les autres œuvres parce que certes il y a un côté littérature mais c'est quand même un objet très différent euh, mais voilà euh, malgré ce côté un petit peu à part euh, de tout le reste euh, bah moi ça a été une très bonne expérience de le faire avec vous en live et euh, non ouais franchement le plaisir était là le plaisir était au rendez-vous donc euh, je ne me boude pas à mon plaisir et je le mets dans très bon. Je le mets dans très bon également pour Zikael. N'hésitez surtout pas, je suis très curieux pour le coup pour cette œuvre également, de vos retours. Donc n'hésitez vraiment pas dans les commentaires YouTube. Et n'hésitez vraiment pas à me dire si ça vous intéresserait du coup que je fasse le tome 2 en live également. Euh, ça pourrait être une idée. Tacata euh, cata. Ta, ta. Écoutez, on arrive sur la fin de ce live avec une dernière œuvre. Il est temps que ça se finisse, je vous avoue, parce que là, je commence à sortir. Je commence à sortir que je suis malade. <laughs> Une dernière œuvre, je vais vous parler de Esoteria Destinée, écrit par Julien Zavadka Pigot. Alors, j'ai trois tomes ici, puisque j'ai Chimère Héritage, qui était la première version et le premier titre. Euh, de la saga et du tome qui s'est transformé ensuite en Esoteria Héritage et le tome 2 que je vous ai lu donc cette année, Esoteria Destinée. Euh, on est un peu plus dans les ambiances euh, Bob Lénonienne, justement. Alors pas tellement sur le côté humour et ainsi de suite, mais dans le côté aventure. Dans le côté aventure, c'est vraiment... Euh, voilà on part vraiment là-dedans, on est dans un monde fantastique, enfin fantasy même, fantasy, euh, et on va continuer en fait la suite directe du tome 1, c'est-à-dire, enfin direct, bref, on va reprendre la suite du tome 1 euh, en continuant de suivre un équipage qui vit différentes aventures. Il y a un côté, en fait, je pense, pour, ce, pour cette saga globalement, il y a un côté qui plaira fortement, je pense, aux personnes. Je me répète toujours là-dessus, mais c'est vrai. Je pense que les personnes qui apprécient la fantasy, qui apprécient le lore euh, des jeux vidéo, notamment World of Warcraft, euh, par exemple les romans sur World of Warcraft et ainsi de suite, je pense que si vous aimez ce genre d'ambiance, si vous aimez les jeux de rôle aussi, parce qu'on sent justement une note très jeu de rôle, euh, d'ailleurs, il y a des scènes directement euh, inspirées. De passage de jeu de rôle euh, que j'ai pu faire avec l'auteur, puisque Julien Zavat Capigo euh, est l'un de mes meilleurs amis. Et, euh, et du coup, voilà, euh, clairement, cette, euh, cette ambiance d'aventure, cette ambiance de on part en voyage et euh, on résout des quêtes et il y a des moments euh, forts, euh, que ce soit euh, dans la tristesse ou dans la joie avec son équipage et ainsi de suite. Tout ça, vous pourrez trouver ça là-dedans. Euh, pour rappel, alors attendez, il faut que je le retrouve, le premier tome, je l'avais classé dans très bon. Je l'avais classé dans très bon à l'époque. Euh, je trouve que c'est la suite logique du tome 1. Euh, si je suis tout à fait honnête, le, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que en fait le genre fantasy, j'avais l'impression que c'était le genre qui m'attirait le plus et plus j'ai consommé de la fantaisie euh, et plus je me suis rendu compte que c'était pas vraiment mon genre de prédilection et que euh, j'aimais un certain type de fantaisie très particulier voire que je préférais la, le fantastique ou la science fiction donc en fait j'ai trouvé ça très cool j'ai trouvé ça très sympa dans son domaine mais c'est pas non plus ce qui va moi me, me... Me touchait le plus. Euh, après, attention, j'ai pris du plaisir sur ma lecture, j'ai trouvé ça très sympathique. Je redis le petit bémol parce que voilà, je suis obligé par euh, sincérité intellectuelle, d'autant plus que c'est mon meilleur ami, donc voilà. Euh, je trouve ça vraiment dommage qu'il y ait des coquilles et des fautes d'orthographe de ci, de là, et euh, ça vaudrait vraiment le coup de plus passer du temps là-dessus, ça rendrait la lecture plus agréable. Euh, mais globalement, en fait, j'ai pas grand-chose à en dire de plus. Héritage, dans le sens où j'ai retrouvé un peu le même cocktail, un peu le même, un peu le même, euh, la même formule, euh, dans le sens où il y a une grande aventure fil rouge avec plein de petites péripéties qui se greffent dessus, qui ont l'air de ne pas avoir grand chose les unes avec les autres, et en même temps ça me dérange pas parce que c'est encore une fois cette narration un peu jeu de rôle, cette narration un peu aventure, un peu fantasy, et euh, j'avais émis le bémol euh, d'un problème de rythme où je trouvais que en général les scènes d'exposition étaient très très longues et la résolution était trop rapide. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai quand même eu euh, globalement sur ce bouquin. Euh, malgré tout, il y a des passages que je trouve hyper intéressants. Euh, il y a toujours ce, cette ambiance que je kiffe que... C'est un peu l'ambiance que je vais chercher justement dans des jeux vidéo. Euh, par exemple dans Sea of Thieves cette ambiance de euh, on part en voyage on va voguer sur l'eau et c'est l'aventure enfin ça j'aime trop et ça je continue à avoir cette sensation là euh, j'aime bien le fait justement que ça soit très varié c'est quelque chose qu'on faisait dans les jeux de rôle qu'on jouait avec julien et euh, donc mirani qui est passé tout à l'heure sur le chat euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en fait je trouve que le fait de faire des environnements variés des chapitres qui changent complètement euh, d'univers ça Peut être bordélique, ça peut être mal fait euh, à souhait et ça peut euh, complètement gâcher euh, une œuvre. Euh, je trouve que Julien fait ça très très bien et lit les choses d'une très bonne manière. Euh, et surtout, ce que j'apprécie, c'est que il y a toujours ces petites expériences où il euh, y a deux, trois chapitres de ci de là, ou deux, trois passages de ci de là, qui sont vraiment radicalement différents du reste. Et euh, alors moi qui m'ont un petit peu moins surpris, qui m'ont un petit peu moins pris au dépourvu parce que justement c'est quelque chose qu'on voyait déjà dans le tome 1, mais quand même qui, euh, voilà, mais quand même qui avait le, le mérite d'essayer quelque chose, de, de tenter quelque chose et de nous emmener complètement euh, sur autre chose. Et c'est pour ça que parfois on a des euh, chapitres beaucoup plus durs, beaucoup plus lourds, euh, avec une ambiance horrifique, euh, avec une ambiance aussi, au contraire, beaucoup plus légère. Euh, J'ai adoré ce chapitre, alors je ne saurais plus donner les chapitres exacts et tout, mais je sais qu'il y avait un chapitre qui avait tout le contraire, une espèce de parenthèse, une espèce de bulle, euh, un endroit comme ça, un petit peu enchanté, un petit peu paradisiaque, et c'était vraiment une respiration d'air frais, et ça faisait du bien, genre c'était... Ça faisait tellement du bien d'avoir un passage comme ça. Euh, C'est hyper agréable. Hyper agréable d'avoir un, un, un bouquin qui te présente aussi euh, des choses positives. <laughs> C'était tellement cool. Donc du coup, il voilà, y, y a plein de très bonnes choses. Comme j'ai quelques petits euh, bémols et quelques petits défauts que je soulève. Globalement, je trouve ça très très cool dans son style. C'est moins mon style. Euh, et j'avais encore un truc à dire. Ah, je sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas, euh, il a sorti un autre roman qui s'appelle Elisabeth, si je ne dis pas de bêtises, euh, que je vais très certainement me procurer bientôt. Je ne pense pas que j'en ferai la lecture en live, sauf s'il si me le demande, parce que pour le coup, ça a été des demandes de sa part que je fasse. Enfin en tout cas pour Esoteria euh, Destinée, ça a été une demande de sa part que je le fasse en live. Euh... Donc voilà, je ne sais pas si je le ferai en live, j'en je, doute, mais peut-être, éventuellement, c'est une possibilité. Mais euh, vraiment, je vous conseille d'aller voir. C'est con ce que je vais dire, mais euh, 90% des auteurs que je vous présente en live sont morts. Donc, euh, ok, ça peut être intéressant pour vous. Euh, de... De, de découvrir, euh, de vous ouvrir euh, à ces auteurs-là, à ces, ces, auteurs ces littératures-là, etc. Là, on parle de quelqu'un de contemporain à nous. Donc, euh, si vous avez des retours à lui faire, que ce soit positif ou négatif, encore une fois, tant que c'est de la critique euh, construite, bienveillante, je suis sûr qu'il le prendra bien. Donc vraiment, euh, si vous tentez l'aventure, si vous tentez l'aventure de Chimère-Héritage, Nouvellement Esoteria héritage et Esoteria destinée. Euh, si vous tentez l'aventure, n'hésitez pas à faire des retours parce que il est contemporain. Euh, vous pourrez le trouver sur mon Discord. Vous pourrez donc sous le pseudonyme Mirani ou Mira. Euh, vous pourrez le trouver euh, sur son Facebook et ses autres réseaux. Donc euh, bah, profitez-en, genre euh, soutenir des personnes. Euh, qui, qui travaille en ce moment euh, à ce genre de projet, euh, je trouve que c'est important. Et, euh, et voilà, je vous demande pas d'être, je vous demande pas d'être tout gentil et tout mielleux avec lui parce que c'est mon copain. Je vous demande juste, euh, bah voilà, si vous avez la curiosité de jeter un œil, si vous avez le courage de laisser un petit mot, une petite critique, et puis euh, ça me fera plaisir, ça lui fera plaisir, et ça sera très cool. les voilou. J'ai pas écouté ta lecture, mais ça m'a donné envie, nous dit J'en suis content, j'en suis content, Zikael. Euh, quant à moi, je vais le ranger pour terminer ma tier list. Je vais le ranger. Euh... Bah du coup, comme je le disais, je trouve que c'est. En fait, je le mettrais très bon si c'était une tier list. Euh... On va dire. Euh... objective. Ça veut rien dire, mais... Un peu plus objective. Euh, là vu que c'est du subjectif On ça très bien Mais c'est pas tout à fait mon créneau Pas tout à fait mon style euh, Enfin pas tout à fait mon style Non parce que d'ailleurs euh, Ça c'est un truc qu'il a aussi euh, Julien et que j'aime beaucoup C'est qu'il a des passages aussi très poétiques Et, euh, et euh, voilà On sent qu'il a une sensibilité etc Et voilà il y, y a des passages qui Qui sont emplis de poésie que je trouve très très cool euh, Mais en tout cas c'est un peu moins mon genre Voilà donc, le tome 1, je l'avais mis en très bon, le tome 2, je le mets en sympa parce que je trouve que ça continue dans la même lignée. C'est toujours très cool et j'y vais toujours avec plaisir. Je vais juste y aller un peu moins. Euh, comment dire Un peu moins euh, avec euh, l'émerveillement de la découverte, quoi. Euh, du coup, sur ce texte, bah, Zikaël et, et Secrétaire, je ne pense pas que vous l'ayez euh, écouté, du coup. Donc, euh, je ne vais pas vous le mettre euh, dans, dans la tier liste des viewers. Euh, ça me fait mal au cœur de ne pas le mettre en même temps. Ça me fait mal au cœur de ne pas le mettre. Je vais le mettre comme je l'ai mis moi, en sympa, parce que je sais que euh, sur ces lectures... Je pense notamment à Sarah Drew. Il y a des personnes qui sont passées et qui ont beaucoup apprécié, euh, à tel point qu'elles ont commandé justement les autres tomes sur Amazon, euh, sur euh, KDP, enfin bon bref. Donc n'hésitez pas, à, pas à, à vous renseigner. Euh, je sais que ça a plu à certaines personnes et déjà ça me fait giga plaisir d'avoir pu vous faire découvrir Julien. Hein. Si c'est Mirani, tu mets génial, c'est le ref. <laughs> c'est gentil pour lui Zika mais euh, ouais je pense qu'on va le mettre sympa comme ça voilà comme ça ça sera une moyenne euh, hypothétique de ce que je crois euh, des viewers même si peut-être que Sarah le mettrait très bon je sais pas bref je veux pas me prononcer à votre place mais euh, j'imagine j'imagine que ça vacillerait entre sympa et très bon pour certains d'entre vous encore une fois c'est très subjectif de tout dans tous les cas et on a donc terminé pour la liste de cette année. Euh, je n'ai pas lu davantage d'oeuvres en votre compagnie. J'aurais aimé lire une pièce de théâtre en ce mois de juillet. Je n'en ai pas la faculté. Euh, comme je le disais, euh, je ne vais pas non plus pouvoir faire de live avant quelque temps. Donc a priori, on se retrouve pour la rentrée ou soit fin août, soit début septembre, quelque chose comme ça, je pense. Euh, bah je, je réitère, hein, je réitère. En rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à me faire des suggestions pour, la, pour les lectures de l'an prochain. Euh, n'hésitez pas à me faire des retours sur les lectures passées. Parce que, ben voilà, là par exemple, quand je vois cette liste, je me dis, ok, l'an prochain on fera peut-être moins de littérature britannique, parce qu'on en a fait beaucoup. Euh, ok, l'an prochain on lira peut-être la suite des aventures euh, de Bob Lennon, parce que a priori, euh, j'ai bien aimé, vous avez bien aimé, donc pourquoi pas Et ainsi de suite. Donc c'est vraiment des indications qui peuvent être intéressantes pour moi. Euh, N'hésitez pas non plus, si vous m'avez regardé en rediffusion sur YouTube, à laisser un like ou un dislike, euh, partager la vidéo, commenter, vous abonner, tout ça, vous connaissez. Euh, je vais vous souhaiter à toutes et à tous euh, d'excellentes vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir, et puis bon courage pour les autres. Euh, cette année, je n'ai pas, euh, pas préparé de liste subsidiaire euh, des œuvres que je n'ai pas lues en live. C'est vrai que j'ai fait ça l'an passé, ça aurait pu être fun, mais en fait j'ai pas lu tant que ça hors live cette année. En fait je lis assez peu. Hein. Je sais que ça avait étonné euh, à la joie une fois euh, une, une consoeur streameuse. Euh, on avait parlé et elle était assez étonnée euh, parce qu'au final je lis pas tant que ça. En fait, c'est pas que je lis pas tant que ça, c'est que. Il y a des périodes où je lis énormément, il y a des périodes où je lis quasiment pas. Et aussi je lis et consomme beaucoup de choses différentes. C'est pourquoi cette année, je vous en ai déjà parlé l'année passée, donc je ne vous le redis pas, j'avais lu le tome 1 et 2 du cycle fondation d'Isaac Asimov. J'ai lu le tome 3, 4, 5, le cycle fondation d'Asimov, c'est génial, c'est incroyable. Euh, si vous avez euh, du mal avec la science-fiction, euh, allez-y, ça va vous faire entrer dedans, je pense. C'est trop bien. Trop bien écrit, trop bien foutu. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre cette année J'ai lu... Euh, l'affaire Calas de Voltaire bon c'était intéressant mais je sais pas si j'ai grand chose à en dire euh, j'ai lu Phèdre de Racine bon c'était intéressant je sais pas si j'ai grand chose à en dire en vrai j'ai lu deux trois autres choses dont je me rappelle même plus là comme ça euh, grosso modo j'ai jamais eu d'énormes déceptions il y a rien où je me sois dit euh, oh c'est vraiment de la merde euh, dans les trucs coup de cœur il y a peut-être eu Isaac Asimov même il y a eu Isaac Asimov. Et puis, plus récemment, je vais encore une fois un peu dévier. C'est toujours de la littérature, mais des formats un peu différents. Euh, je me permets la petite virgule parce que je me suis vraiment fait cette réflexion-là récemment. Euh, du coup, à la période de Noël, j'en ai profité pour demander au Père Noël euh, la suite et fin de Walking Dead. En fait, Walking Dead, c'est un comics à la base, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et euh, du coup, c'est une série de comics que j'avais adoré, qui était parmi ma série de comics préférée. Euh, j'ai lu pas mal de comics à une époque. Euh, et je m'étais arrêté au tome 22 ou 23 pendant euh, plusieurs années. Parce que euh, bah, ça coûte de l'argent. <laughs> ça coûte de l'argent de s'acheter des tomes régulièrement, etc. Mais c'était toujours resté dans mon panthéon. Et récemment, euh, j'ai... Euh, donc voilà, à Noël, j'en ai profité. Pour acheter ce qui me manquait parce que la série est terminée euh, en comics, donc j'en ai profité pour acheter ce qui me manquait. J'en ai j'en ai profité pour relire tout depuis le début. Et personnellement, euh, Walking Dead de euh, c'est quoi son prénom? Mince euh, Robert de Robert Kirkman euh, de euh, Cliff Rathburn. Il euh, euh, ya qui encore? y a Moore et le dessinateur principal Charlie Adlard donc voilà euh, de tout ce beau monde Walking Dead le comics j'ai jamais vu la série j'ai jamais réussi à rentrer dedans à chaque fois que je commence un épisode j'ai envie de m'endormir je trouve ça filmé comme un téléfilm allemand et ça me gonfle j'ai un avis très euh, très tranché sur euh, la série Walking Dead après j'ai découvert le comics avant la série donc forcément peut-être que ça ne m'a pas aidé à apprécier mais par contre je vous recommande le comics très 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 chaudement. Pour moi, c'est Masterclass. Pour moi, ça serait, ça serait au niveau de génial. Pour moi, c'est Masterclass. Walking Dead, c'est euh, de la narration incroyable, de, des structures incroyables. Et euh, c'est l'une des très rares œuvres. L'une des très très rares œuvres où euh, littéraire, du coup. Ou plusieurs fois dans un tome, je vais avoir ce phénomène de passer une page et revenir à la page précédente en me disant Attends, il vient vraiment de se passer ça là Pour le coup, je vous parlais de surprise. Walking Dead, c'est incroyable. C'est incroyable sur ce point-là. Ça te prend très souvent au dépourvu. Et c'est choquant, mais pas gratuitement. Euh, c'est... En matière de narration, c'est pour ça aussi que je trouve ça intéressant de vous parler de ça, parce que certes, ce sont des formats différents. Mais là, si je parle vraiment de l'histoire, de la narration, sans même vous parler des dessins ou quoi que ce soit, si je parle, même si ça fait partie de la narration, mais bref, si vraiment je vous parle de purement histoire, purement narration, c'est fait au petit cordeau d'une main de maître, c'est super bien branlé. Donc euh, vraiment. Euh... Euh, N'hésitez surtout pas si vous aviez euh, quelques velléités, euh, bah, allez-y, allez-y à fond. Euh, Zikal qui nous dit que la série Telltale's Game est vraiment cool. Je l'ai jamais joué, mais euh, ça pourrait être, euh, ça pourrait être sympa. J'ai déjà joué euh, The Wolf Among Us en live avec vous de Telltale Games et j'avais trop kiffé. D'ailleurs, il va y avoir, il va y avoir l'opus 2 très bientôt, euh... enfin bientôt a priori. Bref, je suis trop excité. Mais euh, oui, non, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Euh, et, euh, et ouais, ça me tenterait bien, peut-être. Et du coup, dernière, toute dernière parenthèse et virgule que je me permets. Je vais peut-être faire genre euh, archi-fan, mais... Walking Dead, c'est dans mon top. J'ai du mal à classer mes préférences et tout parce que je trouve que plein d'oeuvres sont cool pour des raisons différentes. Mais euh, je pense que Walking Dead, ça serait... Potentiellement dans mon top 3 comics et sans aucun doute dans mon top 5, euh, peu importe l'époque, le classement que je ferai, etc. Voilà, Walking Dead se classe très très haut dans mon classement euh, personnel. Je vous parlais de narration, d'histoire géniale, de structure géniale, de manière d'agencer les événements et de, les, et de tenir en haleine et ainsi de suite. J'ai exactement tout le même commentaire sur un manga cette fois-ci et c'est exactement la même histoire série que j'ai commencé il y a très longtemps au bout d'un moment euh, pour des questions d'argent je me suis dit bon bah je vais peut-être arrêter d'acheter des tomes parce que ça fait cher mais j'avais toujours en tête l'idée d'y revenir un jour euh, je me suis remis à les lire récemment en me disant Bon, je peux me permettre d'acheter les prochains tomes. Donc je vais reprendre du tome 0. Et je les relirai. Euh, voilà, je relirai euh, ce que je possède. Attention, petit indice, je possède jusqu'au jusqu tome 65, je crois, un truc comme ça. Donc euh, je vais les relire jusqu'au tome 65, tranquillement. Euh, pour la euh, quatrième fois, je crois. Euh, je vais les relire tranquillement, doucement. Enfin, en vrai, non, je mange. J'ai pas été jusqu'au tome 65 quatre fois, mais j'ai repris du début plusieurs fois, ça c'est sûr. Euh... Et, euh... et pile quand je décide ça, le hasard fait extrêmement bien les choses. Pile quand je, dé... quand je décide ça, euh, l'auteur annonce qu'on arrive sur la saga finale et que du coup, bah, je suis pile au bon moment pour reprendre à zéro arriver jusqu'au moment où on sera sur les derniers tomes et où ça sera la fin et j'aurai l'intégralité de l'histoire donc c'est la régalade sans quasiment d'attente puisqu'il a annoncé que grosso modo ça lui prendrait trois ans pour terminer euh, cette saga finale je vous parle ici les amis certains d'entre vous l'auront deviné l'auront crié chez eux je vous parle euh, de One Piece et Eiichiro Oda je sais que plein de gens sont euh, archi réfractaire euh, parce que justement une giga grosse hype euh, justement à cause de peut-être ses attentes et ses euh, a priori de se dire euh, ok c'est vraiment un truc de fanboy euh, c'est vraiment un truc de, euh, de mec qui est à fond dedans et qui euh, ne jure que par ça et ainsi de suite mais vraiment vraiment en fait c'est difficile parce que moi même je suis comme ça et je comprends tout à fait mais en fait quand il y a quelque chose qui fait un succès mondial hors norme, qui dure pendant des années et des années et des années et des années, ça peut ne pas être votre truc. Il y a, vous en avez, vous avez tout à fait le droit de ne pas apprécier cela et ainsi de suite. Mais par contre, en général, même si ça a tendance à vous repousser parce que vous vous dites il euh, y a trop de hype, ça pue, c'est que ça va, c'est que ça va pas être aussi bien et ainsi de suite, en général, c'est qu'il y a quand même des qualités. Et euh, franchement, si vous n'avez jamais donné la chance à One Piece, si vous êtes saoulé par le fanboyisme autour de One Piece et ainsi de suite, peut-être que ça ne sera pas votre truc et il n'y a pas de mal à ça. Mais franchement, essayez un coup parce que, en termes de, encore une fois, sans parler des dessins, même si ça en fait partie, sans parler des dessins et ainsi de suite, du thème ou quoi que ce soit. En termes d'histoire pure, en termes d'histoire de narration, de structure, les événements s'enchaînent d'une manière incroyable. C'est super bien pensé, super bien agencé. Et c'est, entre guillemets, c'est un sans faute structurellement. C'est juste Masterclass comme Walking Dead, euh, comme, comme euh, 1984. Euh, voilà. Donc euh, vraiment... Je vous le conseille. Et puis, euh, et puis voilà. Je pense que cette fois-ci, j'ai fait un grand tour. Un grand tour de ce dont je voulais vous parler ce soir. Zika qui nous dit, les vrais savent que le seul vrai manga, c'est Jojo's Bizarre Aventure. On m'en a dit beaucoup de bien, je ne je, je m'y suis jamais mis. Il faudrait que je tente à l'occasion. Euh, mais voilà. Forcément, les goûts et les couleurs, je comprends très bien. Euh, les attentes, euh, le fait qu'il y ait trop de hype, euh, euh, le fait aussi qu'il y ait une multitude de choses, hein, c'est difficile, hein, c'est ultra difficile, il y a tellement de choses à lire, tellement de choses à voir, tellement de choses à entendre, tellement de choses à, à consommer, j'aime pas le terme consommer pour l'art, mais c'est un peu le cas, euh, donc il y a tellement de choses à consommer dans tous les sens que c'est giga dur euh, bah de, de pouvoir s'y investir. Euh, mais du coup voilà dans la, dans la jungle des comics je vous conseille Walking Dead euh, vraiment fort et dans la jungle des mangas je vous conseille One Piece vraiment fort même si bien sûr il y en a plein d'autres et bien sûr ça dépendra de vos goûts et peut-être que ce sera juste pas votre truc mais euh, ça serait tellement le rêve de pouvoir, euh, de pouvoir tout voir de pouvoir tout voir tout lire Ce serait incroyable surtout que moi j'ai la j'ai la fâcheuse tendance à relire à revoir genre les choses que j'ai bien aimé je suis en boucle dessus donc euh, le temps n'étant pas extensible c'est très difficile c'est très difficile de découvrir des choses quand on a envie de revoir ce qu'on a déjà vu quoi enfin bon, bref au moins stardust crusaders c'est le meilleur arc même s'il vaut mieux avoir vu les deux arcs précédents ok zikael bah merci pour ta recommandation peut-être un jour cela me sera-t-il utile et puis je vais te remercier une dernière fois, Zikaël, pour euh, bah déjà pour ton, pour ton sub, c'est très gentil. Je suis en train de m'étouffer, je, je, je commence à avoir plus de voix, j'ai été au limite. J'ai été au limite pour vous sur ce live ce soir, les amis. Euh, ça m'a fait très plaisir, pour le coup, de revenir en live. Merci, Zikaël, merci, secrétaire, de m'avoir accompagné. Euh, merci à tous ceux qui ont regardé la rediffusion sur YouTube. Merci à tous ceux qui m'ont suivi cette année euh, encore sur ces nouvelles lectures et sur d'autres formats d'ailleurs. Et puis, euh, bah voilà, je pense avoir tout dit, je le répète une dernière fois. On se revoit très certainement fin août, début septembre. Très certainement que l'une des premières lectures, si ce n'est la première, je ne sais pas encore, euh, de la saison suivante, sera du théâtre et, euh, a fortiori, Macbeth de Shakespeare. Et puis, euh, et puis, on est bon. Puis on est bon, je pense que vraiment, j'ai plus rien à ajouter. Je vais continuer à vous mettre euh, des petites news de ci, de là, parce que je continue à m'amuser avec mon imprimante 3D. Je continue à développer des projets en dehors euh, des lives euh, du jeu de société et ainsi de suite. Comme je vous le disais, voilà, euh, il y a quelques semaines, mois, je vais prendre un petit peu de distance quand même des lives. Je pense qu'il y en aura un peu moins que euh, ces dernières années. Mais euh, je pense que je vais quand même garder une petite cadence, qu'il y aura des lectures, à n'en point douter, voir d'autres formats une fois de temps en temps. Et puis surtout, vous n'allez pas euh, ne plus entendre parler de moi, puisque dans tous les cas, il y aura d'autres projets, il y aura plein de choses. Il y a les veillées euh, sur Discord que j'ai quasiment pas loupées. Je pense que ça doit faire au moins un an maintenant qu'on fait des veillées, et que j'ai loupé peut-être, euh, allez, 5 dimanches, un truc comme ça. Donc vous voyez, on est encore en contact, on fait encore des choses ensemble, il y a plein de trucs à faire, il y a plein de choses à partager, ça va être cool. Ça me permettra de retenter Shakespeare. J'ai juste lu le songe de nuit d'été que j'ai trouvé très passable. Ah Ok, secrétaire. Intéressant, intéressant. Euh, j'ai vu que. J'ai vu que c'était intéressant. Enfin, c'était intéressant. Qu'il y, une... Qu y avait une curiosité sur Shakespeare depuis que j'en ai parlé, donc ça va être intéressant, je pense. Hâte de voir comment tu mettras en voie du théâtre. Ça sera vraiment expérimental, de hein. enfin, toute façon, on en parlera alors euh, lors du jour J. Mais ce sera vraiment expérimental parce que justement, moi-même, je me pose la question de comment je dois aborder cet exercice. Et, euh, et je pense qu'on fera des tests. Et puis, soit ce sera un test positif et on réitérera l'expérience, soit ce sera un test négatif et tant pis, je ne le referai plus, mais au moins on aura essayé. Bien Une dernière fois De bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'en avoir Bon courage aux autres euh, dans votre travail qui continue cet été et puis, euh, bah, ça a été un plaisir cette saison 2021-2022. Je vous envoie plein de bonnes ondes. Euh, je vous souhaite euh, plein de réussite dans vos projets. Je, je vous souhaite euh, de, de vous réaliser. Je vous souhaite quoi encore <laughs> Je vous souhaite d'être heureux, de faire ce qui vous rend heureux, de, de faire ce qui est important pour vous. Et puis, euh, et puis voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Allez, bonne soirée. Bonne nuit. Un des bisous. Et à la prochaine pour une prochaine lecture ou que sais-je encore. Bye bye!